Les institutions dépendent entièrement des sentiments que les hommes y attachent et des grandeurs dont elles sont revêtues par la pensée. Aussi, quand il n'y a plus non pas de religion, mais de croyance chez un peuple, quand l'éducation première y a relâché tous les liens conservateurs en habituant l'enfant à une impitoyable analyse, une nation est-elle dissoute ? Car elle ne fait plus corps que par les ignobles soudures de l'intérêt matériel. Honoré de Balzac, César Birotteau. S'il est vrai que nous vivons selon des valeurs, comment vivre si nous sommes dans l'inquiétude quant à la valeur des valeurs ? Frédéric Lordon. Quand nous nous efforçons à une chose, quand nous la voulons, ou aspirons à elle, ou la désirons, ce n'est jamais parce que nous jugeons qu'elle est bonne. Mais au contraire, si nous jugeons qu'elle est bonne, c'est précisément parce que nous nous y efforçons, nous la voulons, ou aspirons à elle, ou la désirons. Spinoza, l'éthique. Voilà. Je suis très heureux d'accueillir, nous, l'équipe du Théâtre de la Verrière, très heureux d'accueillir pour la fois Cité Philo, pour la seconde fois Frédéric Lordon, que nous avions reçu, j'allais dire presque en tant qu'auteur dramatique. J'avais ajouté Bouffon. Bouffon, voilà. Et c'était un très bon souvenir. Voilà, je ne vais pas m'étendre trop. Peut-être, Léon, tu veux dire des choses. Voilà, donc très heureux de l'accueillir. Alors, ça ne fonctionne pas sur son dernier ouvrage, donc ce n'est pas de la promo-vente. Parce qu'il est très... Non, ce n'est pas grave. Mais je blague, hein. Voilà, donc je suis très heureux de l'accueillir. Nous sommes très heureux à La Verrière de l'accueillir et surtout de vous accueillir, vous. Qui nous prêtez vos oreilles. Voilà. Bonjour, bienvenue. Merci d'avoir choisi de vous joindre à nous en ce dimanche ensoleillé de novembre. Peut-être qu'il faut que tu parles là-dedans, Léon. Autour du livre de Frédéric Lordon, La condition anarchique, paru au Seuil en octobre 2018. Nous remercions vivement Frédéric d'être avec nous une nouvelle fois dans Cité Philo. C'est toujours un plaisir de l'accueillir. Nous remercions également Dominique Sarrazin, dramaturge, metteur en scène, comédien, qui fut si longtemps directeur de ce théâtre et qui nous fait l'amitié d'être ici pour quelques lectures choisies. Sans oublier, évidemment, de remercier toute l'équipe de la régie, Sarah, Tom, Matteo, Alix et Fabien. Yeah. Alors, si vous pouvez vous en faire l'écho, on tient à renouveler nos excuses auprès de tous ceux qui n'ont pu entrer aujourd'hui. Il n'existe malheureusement pas de salle sans jauge, autrement dit sans limite. Nous n'avions pas la possibilité de disposer d'une salle plus grande pour la séance de cet après-midi. Nous en sommes sincèrement désolés. Bonne nouvelle, cependant, cette séance fait l'objet d'une captation vidéo et sera très prochainement disponible sur le site de Cité Philo. Merci de le signaler à vos amis, en tout cas à ceux certainement très déçus et qui ont dû rebrousser chemin. Nous devions, le programme en atteste, être en compagnie de Catherine Malabou, qui a malheureusement dû être hospitalisée il y a 3 jours. Nous pensons à elle pour au moins 2 raisons. La première, c'est que nous l'apprécions tout autant que son travail de philosophe. La seconde, c'est qu'elle avait vivement souhaité cette rencontre avec Frédéric. Sa maladie nous prive donc d'un dialogue inédit.
J'espère que ce dialogue pourra vous être prochainement proposé, mais dialogue il y aura, surtout avec vous. Notre tradition, et nous n'y manquons jamais, étant de vous laisser la parole lors de la dernière demi-heure pour des remarques, des objections ou des questions. Frédéric Lordon, pour ceux qui ne le connaissent pas bien, peut-être y en a-t-il parmi vous, j'en doute, mais c'est toujours possible. Hein. Ouais. Frédéric Lordon est diplômé de l'École nationale des ponts et chaussées, de l'Institut supérieur des affaires et d'HEC. Donc, Frédéric, vous aviez donc tout pour faire une carrière plus que prospère dans les affaires ou dans un ministère. Oui, mais voilà, votre désir, vos affects vous ont conduit vers tout autre chose. Après une formation donc, de sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales, d'économie à l'École des hautes études en sciences sociales, dans votre parcours, sous la bannière de Marx, Schumpeter et Keynes, vous avez choisi de rejoindre l'École de la régulation, animée par des chercheurs tels que Robert Boyer ou encore votre ami André Orléans. Vous êtes donc devenu en un premier temps un économiste hétérodoxe, autant dire un marginal au regard des économistes standards dominants qui considèrent leur discipline comme scientifique, légitimité qu'elle tire de l'obscure lumière en quoi consistent les modèles mathématiques appliqués aux conduites et pratiques humaines. Tandis que vos travaux et ceux de vos amis de l'École de la régulation ou ceux d'autres économistes altères, disons, qui s'efforcent, comme vous le faites, de ne pas ignorer l'apport des sciences sociales, sont considérés comme relevant d'une économie littéraire, entendons par là un baratin. Hein, le mot baratin revenant souvent dans la bouche d'esprits exaltés aux conduites arrogantes qui, à un titre ou à un autre, veulent nous faire prendre les vessies de leurs intérêts très particuliers pour des lanternes universelles. Et puis, situation rarissime dans l'académie, après une quinzaine d'années passées à batailler avec l'œuvre de Spinoza et avec l'institution CNRS, vous avez franchi le Rubicon séparant le département économie du département philosophie. Vous êtes désormais directeur de recherche au CNRS en philosophie. Votre livre, La condition anarchique, vient à la suite de nombreuses publications. Citons parmi les plus récentes Capitalisme, désir et servitude, Marx et Spinoza, La Fabrique 2010, livre dans lequel vous pointiez la dimension totalitaire du capitalisme dont la visée est de remodeler de l'intérieur nos imaginaires, nos désirs et nos affects. Puis vous publierez La société des affects pour un structuralisme des passions, au seuil en 2013, Imperium, structure et affects des corps politiques, La Fabrique 2015, et Les affects de la politique, seuil 2016. Prendre en considération l'importance déterminante des affects et des passions dans l'économie et dans la politique, mais également dans de nombreux autres domaines, compléter le structuralisme de Marx par la théorie des passions de Spinoza, qui est en définitive une théorie de l'agir humain, tel est votre projet philosophique. Or, que ce projet affecte nos représentations, notamment celles que nous avons de l'économie et de la politique, est attesté par le nombre de personnes qui auraient voulu s'asseoir ici ce soir et qui n'ont pas pu, faute de place. On ne saurait mieux résumer votre orientation que par un énoncé cité par vous fréquemment et que Dominique a cité tout à l'heure, je le rappelle parce que c'est un énoncé qui donne l'orientation, qui est un scoli tiré de l'éthique de Spinoza. Nous ne désirons pas une chose parce qu'elle est un bien, mais au contraire, nous disons qu'elle est un bien parce que nous la désirons et la poursuivons. Autrement dit, le désir ne poursuit pas des valeurs qui seraient préalablement établies et incontestables, mais au contraire, en première instance, le véritable instituteur de la valeur, ce qui fait la valeur des choses ou des personnes,
ne résidant pas dans un ensemble de qualités ou dans une substance comme on le croit habituellement, mais dans un certain jeu des affects collectifs, jeu auquel, me semble-t-il, il faut jouer si l'on veut accéder au pouvoir ou s'y maintenir, quel que soit le domaine où ce pouvoir s'exerce. Alors comment cela s'institue-t-il à l'échelle d'une ville, d'un pays ou d'une entreprise? Telle est la question à laquelle éventuellement vous pourrez répondre. Pour comprendre ce que vous entendez par anarchique dans le titre que vous avez donné à ce livre, je me suis référé à mon vieux dictionnaire grec-français, le Bailli, qui nous dit pour le mot proprement dit et ses dérivés proches, absence de chef ou de maître, état d'un peuple régulièrement sans chef, sans commencement, sans premier principe, état de ce qui n'est pas commandé, autrement dit, sans commandement. Vivre sans commandement, sans commencement, voilà en quoi consiste au fond la condition anarchique. On comprend dès lors que la suite éditoriale logique que vous avez souhaité donner à ce livre ait été vivre sans institution, sans police, sans travail, sans argent. Nouveau livre que vous venez de publier à La Fabrique en octobre, c'est très récent, livre qui consiste en un dialogue intellectuel, philosophique et politique tendu avec d'une part des philosophes, tout ce qu'il y a de plus vivant dans la condition anarchique, c'était plutôt avec des philosophes tout ce qu'il y a de plus mort, en tout cas disparu, même s'ils sont toujours vivants parce qu'on continue de dialoguer avec eux. Voilà. Donc philosophes vivants que vous qualifiez par vous d'antipolitiques, et d'autre part, des collectifs plus ou moins informels tels que le comité invisible ou les militants des ZAD, par exemple de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, on prendra très certainement le temps d'y revenir. Et du coup, si l'on entend par condition, dans condition anarchique, une sorte de situation générale, le mot condition a une amplitude polysémique qui vous surprendra si vous explorez la chose. On comprend que c'est la condition humaine même qui est considérée par vous comme étant anarchique. Alors, première question pour introduire la séance. Pouvez-vous à minima, pour éclairer nos auditeurs, nous dire comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre et si vous vous êtes fixé, comme cela semble être le cas, un programme de recherche, comment situez-vous ce livre par rapport aux ouvrages précédent. Mon cher Léon, je vais te tutoyer tout de suite parce que je sais que je n'arriverai pas à tenir toute la séance. À un moment, ça va déraper, autant que ça soit tout de suite, comme ça c'est fait, on passe la seconde. Tu es d'accord, hein? Bon. Alors, moi aussi, il faut que je remercie tout le monde, les gens qui organisent matériellement ma venue, la séance, toi, Dominique qui lit, enfin bon, je suis vraiment les gens qui viennent un dimanche à 15h, n'importe quoi. Donc vraiment merci. Avant de commencer à te répondre, il y a plein, oh là là, il y a tellement de choses que tu m'as donné envie de dire. J'ai adoré ton expression sur l'obscure lumière tombée non pas des étoiles, mais de la modélisation mathématique, car c'est tellement ça. Mais ça serait, il y aurait une séance à part entière à faire là-dessus. Alors, il y a les auteurs, tout ce qu'il y a de plus vivant, tout ce qu'il y a de plus mort. Ah, ah, c'est une sacrée question. Tu sais, quand tu as dit ça, j'ai bien vu un moment que toi-même, tu t'es dit, ah non, Spinoza, tout ce qu'il y a de plus mort. Oui, bon, bien sûr, mais quand même, tout ça. Ça m'a fait penser à un scoli de l'éthique et le scoli de la proposition 39 d'éthique 4, où Spinoza dit une chose extrêmement étrange. C'est un moment vraiment vertigineux de l'éthique. Il dit, aucune raison ne m'oblige à croire qu'un corps ne meurt que s'il est changé en cadavre. C'est très bizarre, ça. On peut mourir sans passer par la case cadavre. Il y a quelque chose de très, très profond, genre, là aussi, une autre séance à part entière. Mais au moins, on peut en avoir un usage pour notre propre compte. C'est-à-dire, il y a des gens qui, en apparence, sont morts, je veux dire enterrés, mais qui sont extrêmement vivants,
qui continuent de produire intensément des effets dans nos existences, et à l'inverse, des gens qui sont réputés vivants, mais dont il est clair qu'ils sont en réalité tout à fait morts. Par exemple, Spinoza, qui depuis belle lurette mange les asticots par la racine, est infiniment plus vivant que, je ne sais pas, Jacques Attali ou Luc Ferry, tu vois. Bon, donc le partage du vivant et du mort, c'est une affaire plus compliquée qu'il y paraît. Alors, évidemment, tu as bien fait, il fallait faire retour à l'étymologie pour anarchie, puisque le titre est un piège. Mais ça, je m'en explique quasiment dès la première phrase ou de la quatrième de couverture. Hein. Ce n'est pas un livre sur ce qu'on appelle communément l'anarchisme. Alors, d'une certaine manière, le livre d'après, oui, c'est davantage. Mais la condition anarchique, il s'agissait de prendre le mot anarchie au pied de la lettre, selon son étymologie, anarché, sans fondement. Arché, c'est le fondement. Alors là, tu as dit quelque chose, tu as dit anarchie sans chef, sans premier principe, sans commencement. Non, pardon, tu as dit sans commandement, sans commencement. Alors, je prends tous tes mots, mais je les remets dans un autre ordre et j'ajoute la ponctuation, parce qu'elle est fondamentale. Vraiment, l'étymologie, c'est sans principe premier et par après, sans chef, sans commandement, mais par après seulement. D'ailleurs, en réalité, c'est ces deux termes, enfin ces deux bouts de phrase qui connectent les deux sens de l'anarchie. Et moi, je dirais, sans commencement, la condition anarchique, c'est sans commencement, point d'exclamation, sans commandement, point d'interrogation. Vivre sans, point d'interrogation, hein, dans le titre, c'est vraiment fondamental. Je veux dire, qu'il y ait des sociétés avec du commandement, bah ça, on le sait, hein, nous vivons sous une. Est-ce qu'on pourrait vivre sans quelque chose qui ressemblerait à une forme ou une autre de commandement? C'est une vaste question. Il y a des sociétés qui ont pu, est-ce que les nôtres pourraient, etc. Quel sens on donne à commandement, etc. La question est ouverte. Sans commencement, pour moi, elle est close. En effet, il n'y a pas de commencement. Il n'y a pas de commencement parce que, conformément à la citation du livre que Dominique a bien voulu lire, il y a une question lancinante quant à la valeur des valeurs. Et en réalité, la réponse à la question, c'est qu'il n'y a pas de valeur des valeurs. Il n'y a pas de valeur absolue des valeurs. Nos valeurs, ce que nous tenons pour nos valeurs, ne valent pas absolument. Évidemment, c'est tout ça. Là, ça ouvre toute une série de gouffres dans lesquels nous allons dégringoler à qui mieux pendant 2 heures, n'est-ce pas ? Mais c'est ça l'idée. Et c'est ça, vous voyez, moi, si je me règle d'après l'étymologie même, j'en conclus que ce qu'on appelle communément le courant politique anarchiste est mal nommé. Il devrait s'appeler acratie. Vous voyez, il y a une différence entre l'arché et le kratos. D'ailleurs, c'est assez bizarre parce que nous sommes d'une très grande négligence terminologique à ce propos. On dit monarchie et démocratie. Mais on pourrait tout aussi bien dire monocratie et démarchie. Et on ne sait pas pourquoi on dit l'un plutôt que l'autre, n'est-ce pas ? Etc., etc. Alors que l'anarchie, c'est vraiment ce qui indique une certaine manière dont nous construisons nos ordres axiologiques, c'est-à-dire nos ordres de valeurs, une certaine manière, à savoir sans l'adossement à une base sûre, à une base qui vaille absolument, tandis que acratie, c'est le projet politique de vivre sans pouvoir, sans domination. Donc le courant anarchique, normalement, le courant de l'anarchisme devrait s'appeler acratie, à mon avis. Or, la grande question qui pèse dans ces conditions sur toute la structuration de nos ordres politiques, c'est qu'il y a des cracies partout et des archies nulle part, n'est-ce pas ? Des cracies, oui, des entreprises de domination, ça, il y en a partout. Mais de l'archie, de l'arché, du fondement, ça, il n'y en a pas. Alors, c'est de ça que parle le livre. Bon. Et d'ailleurs, c'est là que la question est vertigineuse, puisque tu as dit tout à l'heure, le jeu des affects collectifs, il est à jouer si l'on veut accéder au pouvoir. Mais pas seulement. L'idée, la thèse de ce livre, c'est que le jeu des affects collectifs, il est à jouer si on veut se maintenir en vie collectivement, tout simplement. Du reste, ça n'est pas une option. Ce n'est pas un jeu qu'on choisit de jouer ou de ne pas jouer. Ce jeu se joue nécessairement entre les hommes. C'est l'une des thèses, d'ailleurs, qui est commune aux deux ouvrages. Alors, comment l'idée m'est-elle venue ? Eh bien, c'est ce qui fait le pont, si tu veux, entre
ma première vie d'économiste et ma vie de philosophe. On était dans la théorie de la régulation, on était d'un marxisme très hétérodoxe, puisqu'on n'avait pas besoin de théorie de la valeur. On n'avait pas besoin de théorie de la valeur pour commencer d'emblée dans le champ de la macroéconomie. Et puis malgré tout, c'est une question qui a commencé à devenir intéressante pour certains d'entre nous, sous des angles spéciaux, André Orléans notamment, puisque lui s'intéressait à la finance et à la question de la valeur financière, et qu'il a été l'un des premiers à dire, écoutez, non, moi je récuse absolument l'idée qu'il y aurait quelque chose comme une substantialité de la valeur financière, la vraie valeur des actions, la vraie valeur des entreprises, etc. Non, tout ça est un jeu d'une nature complètement différente. Et il a pris un regard sur la valeur financière qui correspond exactement à celui que la condition anarchique prend sur les valeurs en général. Et de André Orléans à la condition anarchique, le maillon manquant, c'est Durkheim. Donc, vous voyez, tout ça se moque de la chronologie, puisque à la fin d'un livre qui s'appelle Sociologie et philosophie, Durkheim, en 2 lignes et demie, nous donne la formule d'un programme de recherche que, pour ma part, j'ai pris au sérieux dans ce livre. Il dit quelque chose, en gros, du genre tous les phénomènes de valeur, valeur esthétique, valeur économique, valeur juridique, valeur morale, sont des faits sociaux, sont des faits d'opinion, sont des faits de valeur. Ah, alors ça c'est intéressant parce que, si vous voulez, on se retrouve avec toute une série d'expressions formées à partir du mot valeur, valeur économique, esthétique, juridique, morale, qui correspondent à des objets que spontanément nous trouvons tout à fait hétérogènes, voire contradictoires, entre la valeur économique et la valeur morale. Normalement, on voit qu'il y a quasiment un système d'antinomie. Et pourtant, c'est le même mot que nous utilisons, valeur. Alors, dans ce livre, moi, j'ai essayé de prendre et le programme de recherche de Durkheim et l'homonymie autour du mot valeur au sérieux. Et ce que Durkheim nous appelait à faire, c'est à essayer de dégager une théorie générale, c'est-à-dire transversale de la valeur. Transversale à quoi ? Transversale à tous les ordres de valeur. Donc avec le même corps de concept, aussi resserré que possible d'ailleurs, pouvoir ressaisir la totalité des faits de valeur dans leur hétérogénéité. Et pour ça, il fallait trouver une espèce de plan de projection, vous voyez, un plan où on pourrait projeter tous ces phénomènes de valeur et qui constituerait en quelque sorte leur dénominateur commun. Et moi, ce plan-là, c'est Spinoza qui me l'offre. Et ce plan, c'est celui des affects collectifs, en effet. Bien, alors, on a pris le parti de suivre le livre dans le découpage que Frédéric propose. Donc, je vais le tutoyer parce que c'est vrai qu'on se tutoie. Moi, j'aime bien aussi avoir une certaine distance respectueuse par rapport à mes invités. Mais bon, on va se tutoyer. Ben. Alors, tu te réfères évidemment à Spinoza, c'est le cœur de ton travail de 15 ans, je pense. Et tu rappelles, la question que tu te poses de savoir comment s'instituent les valeurs en général, tu rappelles qu'il y a au fond deux théories de la relation et que nous avons que de la relation à un objet de désir, quel qu'il soit. Hein. Il y a la mimétique, dis-tu, les désirs ne viennent pas aux hommes par les objets, mais par d'autres hommes qui leur désignent ces objets. L'associative, du seul fait d'avoir contemplé une chose avec un affect de joie ou bien de tristesse, dont elle n'est pas la cause efficiente, nous pouvons l'aimer ou l'avoir en haine. Moi, la question que je me suis posée est la suivante. En admettant que chacun commence par désirer de son côté, même si finalement ce que Spinoza nous dit, c'est que ça vient aussi de l'extérieur, autant de l'extérieur que de l'intérieur. Il y a eu une sorte de dialectique entre l'intérieur et l'extérieur. En tout cas, la psychanalyse pourrait nous convaincre du caractère aigu de cette dialectique. Bon. Mais si chacun désire de son côté à partir de ce qui lui est propre, comment est-ce qu'on en vient à avoir des valeurs communes en partage ? Comment est-ce que, au fond, les affects en viennent à être communs ? Ah oui, c'est ça la grande question. Alors,
Je reprends les choses depuis le début. Et le début, c'est la phrase que Dominique a lue tout à l'heure, ce scoli de l'éthique, ce scoli de la proposition 9 de la partie 3 qui dit, et que tu as relu dans ton introduction, Léon, qui dit « Nous ne désirons pas, nous ne voulons pas, nous ne poursuivons pas un objet parce qu'il est un bien, mais au contraire, nous ne disons qu'il est un bien que parce que nous le désirons, le voulons et le poursuivons. » Vous voyez, c'est un scoli qui, au sens propre du terme, est catastrophique, c'est-à-dire qui renverse les choses, qui renverse complètement la relation entre le désir et la valeur telle qu'on se la représente spontanément. L'idée, c'est que votre désir ne se règle pas sur des valeurs préexistantes, que vous n'auriez pour ainsi dire qu'à reconnaître, ah, cette chose est bonne, elle vaut bien, donc elle est bonne, donc je la désire. Mais c'est tout à fait le contraire. C'est le désir qui est l'instituteur de la valeur. C'est le désir qui, en investissant certains objets, les constitue comme bons, ou bien comme mauvais d'ailleurs. Bon. Alors évidemment, dans ces conditions, on a besoin de reconstruire à nouveau frais une théorie de la formation de la relation d'objets. Si on ne désire pas les objets parce qu'ils sont des biens, pourquoi ou comment sommes-nous amenés à les désirer ? Alors Spinoza propose plusieurs théories de la formation de la relation d'objets, mais indépendamment de la qualité des objets. C'est ça le point fondamental. Hein. Première théorie, la théorie mimétique. Ça, vous connaissez. Ah, au restaurant, quand même, l'assiette du voisin fait bien envie. C'est peut-être bien ça qu'on va commander. Bon, ou la bagnole, enfin, ce que vous voulez. Deuxièmement, la théorie associative, qui en effet, c'est le corollaire de la proposition, je ne sais plus si 13 ou 15 de la partie 3. Je vous le redis, du seul fait d'avoir contemplé une chose avec un affect de joie ou bien de tristesse dont elle n'est pas la cause efficiente, nous pouvons l'aimer ou l'avoir en haine. Dans la littérature nous offre un cas type là, de la formation associative de la relation d'objet, c'est dans la recherche du temps perdu. Comment Swann tombe-t-il amoureux d'Odette ? D'Odette pour qui il n'a jamais eu aucune attraction particulière, mais parce que Odette lui rappelle un moment d'extase esthétique qu'il avait éprouvé en contemplant une certaine carnation dans un tableau de Botticelli. Et cette carnation, Odette l'en partage. Et voilà comment joue l'association, n'est-ce pas ? Il n'aime pas Odette pour ses propriétés intrinsèques, mais parce que, comme on dit, elle lui rappelle quelque chose qui s'est associé à un moment heureux. Et donc, il y a un transport des affects qui va instituer le nouvel objet sur lequel l'affect heureux s'est transporté comme objet de désir. On pourrait dire même alors qu'à la limite, qu'il y a une dernière théorie de la formation de la relation d'objet qui est la rencontre fortuite. C'est très intéressant ça, parce que Spinoza dit quelque part « L'esprit ne saurait rien désirer dont il n'ait eu auparavant le souvenir. » Et en effet, vous ne pouvez pas désirer quelque chose dont vous n'avez pas même l'idée. Et en réalité, c'est bien comme ça que ça se forme le désir au départ, soit à part les deux mécanismes que je viens d'indiquer. C'est un truc que vous rencontrez par hasard et vous expérimentez qu'il est bon. Un jour, quelqu'un vous met une cuillère de caviar dans le bec. Et oh, mais c'est très très bon cette histoire. Je crois que je vais en revouloir. Bon, évidemment, ça se passe pas si fréquemment que ça, hein, mais vous pouvez transporter à ce que vous voulez. Hein, ça marche tout pareil. On ne peut pas désirer ce dont on n'a pas l'idée. Alors, et là, il y a quelque chose de très intéressant, parce que à partir d'une expérience première qui s'est formée indépendamment des propriétés substantielles d'un objet, l'imaginaire va mettre tout cul par-dessus tête. Vous rencontrez fortuitement un objet, il s'ensuit une expérience agréable, alors vous investissez cet objet de la valeur bien, et une fois que ça s'est fait, vous allez le revouloir, le vouloir à nouveau. Mais à chaque fois que vous le redésirerez, vous considérerez que vous le désirez parce qu'il est un bien. Mais en ayant complètement renversé l'expérience primitive qui vous l'a fait trouver bon, n'est-ce pas ? Et ça, c'est une propriété qui est tout à fait générale. Alors, en effet, si les choses ne disposent pas en elles-mêmes d'un principe qui ferait leur valeur, et que c'est au contraire la projection de nos affects qui fait la valeur des choses, alors autant d'affects projetés, autant de valorisation possible des choses. Donc autant de complexions désirantes et affectives, autant de constructions axiologiques qui s'en suivent. Alors effectivement, si on en reste là, on est dans ce qu'on appelle usuellement, enfin la forme la plus éclatée du relativisme, c'est-à-dire autant d'individus, autant de valorisation. Donc c'est le chaos axiologique. Or on le sait bien, les sociétés ne sont pas des chaos axiologiques. Les gens valorisent un certain nombre de choses identiquement, pas toutes, hein, ou alors par très gros sous-groupes, n'est-ce pas ? Bon,
Alors, en effet, là, la conclusion se tire immédiatement. C'est-à-dire, si ce sont les affects individuels qui sont au principe des valorisations individuelles de choses, alors ce sont les affects communs qui sont au principe des valorisations communes de choses, c'est-à-dire au principe de l'institution de ce qu'on appelle les valeurs sociales. Et la question se déplace alors, comment les affects communs se forment-ils ? Réponse, pas de réponse. Ou plus exactement, une réponse qui ne peut être qu'entièrement abstraite et spéculative et conceptuelle, qui est indiquée dans le livre, mais c'est vraiment un modèle spéculatif d'engendrement des affects communs à partir d'un chaos atomistique et axiologique originel, situation qui n'a jamais existé nulle part dans l'histoire. Donc c'est pour ça que c'est un modèle tout à fait spéculatif. Et puis alors après, si on veut examiner comment ça se passe dans la vraie vie sociale, on est obligé de dire que les valorisations nouvelles se forment toujours plus ou moins par dérivation, démarcation, opposition avec des valeurs constituées. Donc, si tu veux, l'affect commun innove à la marge. Mais dans ce cas-là, on n'a pas d'autre manière de procéder que d'aller y voir concrètement, ce que ne fait pas exactement le livre. Alors, à côté de Spinoza, tu te réfères fréquemment à un autre auteur qui s'appelle Pascal. Et dans la deuxième partie où tu te poses la question de savoir, mais au fond, ce qu'on appelle les grands hommes ou les grands hommes, traditionnellement les grands hommes, mais comment est-ce que ces grands hommes deviennent grands, finalement ? Comment est-ce que ces hommes qui ont commencé par être petits, comme nous, deviennent grands ? Alors, en tel pays, on honore les nobles, en un autre, les roturiers, ou les aînés, ou les cadets. Pourquoi cela ? Parce qu'il a plu aux hommes, nous dit Pascal. Alors, qu'est-ce qui, selon toi, produit de telles variations ? Comment est-ce qu'on devient un grand homme, craint ou aimé, respecté ou admiré ? Je vais prendre les questions dans l'ordre inverse. Comment devient-on un grand homme ? Moi, cette histoire du grand homme, ça m'intéresse de très longue date. Ça m'intéresse de très longue date comme un lieu possible de critique de la métaphysique implicite du néolibéralisme. On voit bien que la métaphysique implicite du néolibéralisme, c'est l'individualisme héroïque. Alors, il n'y a qu'à voir, c'est aux États-Unis que ça prend ses manifestations les plus aiguës, c'est-à-dire le plus souvent les plus grotesques. Moi, je suis repassé. Il y a un réalisateur d'Hollywood qui s'appelle Roland Emmerich, que vous connaissez probablement, qui a un goût particulier pour le héros président des États-Unis, où le président des États-Unis sauve le monde des extraterrestres, des Nord-Coréens. Mais lui, tout seul, vous voyez, avec ses petits bras. Et c'est quand même tout à fait extraordinaire. Et moi, ce truc me fascine parce que, à mon sens, le principe de la grandeur vient pour une très large part, parfois même en totalité, de l'extérieur du grand homme. C'est-à-dire, comme tu dis, le grand homme au départ est un homme non grand. Et comment le non grand devient-il grand ? Réponse, parce qu'il est investi d'une puissance extrêmement supérieure à la sienne, qui lui vient du dehors. Et qui l'exauce, n'est-ce pas ? Qui semble accroître sa propre puissance individuelle, alors qu'en réalité, sa puissance de grand n'est jamais que sa puissance de non-grand additionnée d'une autre puissance externe. Alors, quelle autre puissance ? C'est ce que Spinoza appelle la puissance de la multitude, puisque la puissance de la multitude est l'opérateur de l'affect commun. Et alors, effectivement, Pascal a très très bien compris ça en même temps que Spinoza, et il y a dans les trois discours sur la condition des grands, un apologue que je trouve absolument merveilleux, qui est l'apologue du roi naufragé. Il le lit. Il le lit. C'est pas Pascal tout de suite, c'est Frédéric Lordon. Tout peut faire valeur. N'importe quoi, je vais arriver après. N'importe quoi peut être élu par la puissance de la multitude. On va arriver à l'exemple de Pascal, que je ne dis pas.
Et même quand il s'agit de grandeur, je continue quand même, hein, et même quand il s'agit de grandeur personnelle, des individus qui n'ont rien souhaité, ce qui vient d'être dit, rien demandé à personne, candidaté à aucun honneur, et sur qui la potentia multitudinis n'en jettera pas moins son dévolu. Exemple, donc Pascal. Un homme est jeté par la tempête dans une île inconnue, dont les habitants étaient en peine de trouver leur roi. Ils étaient perdus. Et ayant beaucoup de ressemblances de corps et de visage avec ce roi, il est pris pour lui et reconnu en cette qualité par tout ce peuple. D'abord, il ne savait pas quel parti prendre, mais il se résolut enfin de prêter à sa bonne fortune. Il reçut tous les respects qu'on voulut lui rendre et il se laissa traiter comme roi. L'apologue du naufragé roi, donc c'est Pascal dans les pensées, l'apologue du naufragé roi ouvre les trois discours sur la condition des grands, écrit, on le suppose, mais sans en être parfaitement sûr, à l'attention du fils du duc de Luynes, en tout cas pour le dessillement de tous les grands à qui il s'agit de faire connaître, à l'image du fortuné infortuné, le hasard fondamental auxquels ils doivent leur grandeur. Alors voilà, là Pascal est merveilleux, hein, tout est dit, si vous voulez. Vous pouvez n'avoir aucune propriété particulière qui vous destine à la grandeur, vous pouvez n'avoir pas esquissé le moindre geste pour rechercher la grandeur, et néanmoins, la puissance de la multitude vous élit comme son objet, et l'affect commun vous investit massivement. L'affect commun, c'est ce qui va dire « cet homme-là est grand ». Et c'est une pure performation véridictionnelle. D'ailleurs, c'est l'acte, la performation véridictionnelle, c'est l'acte qui est au principe de toute institution de la valeur. C'est une autorité suffisante, suffisamment puissante, et la puissance de la multitude est l'autorité suprême, qui dit « ceci vaut ». Et à partir de ce moment-là, par l'investissement de la croyance collective et de l'affect commun qu'il apporte, la chose déclarée valoir vaut aux yeux de tous, c'est-à-dire dans l'imagination de tous, y compris le naufragé qui est fait roi parce qu'on a dit qu'il était roi. Et c'est tout. Donc là, il y a quelque chose qui est tout à fait extraordinaire et qui cerne de près les mécanismes les plus fondamentaux du devenir grand des hommes. Mais c'est la seule réponse qu'on puisse faire, car pour le reste, évidemment, là encore, il n'y a que des réponses qui serait dérivé de ce que j'appelle des cliniques particulières. Soumets-moi des cas, et puis on verra. Et puis alors là, on verra des choses tout à fait extraordinaires. On verra des gens qui ont les mêmes accomplissements dans leur champ, et dont certains sont élus par la collectivité du champ, et d'autres non, et dont le nom sera oublié par l'histoire, par exemple, en littérature, dans les arts, dans la pensée, etc. Je veux dire, ce sont des hasards de l'élection axiologique par la multitude qui sont tout à fait fréquents, et ceci donc jusqu'au cas limite de l'homme sans aucun accomplissement, ne désirant rien, et qui pour autant, contre son gré, mais selon le gré de la multitude, sera fait grand. Oui, il y a un livre, je crois, de Jerry Skolomowski, qui s'appelle « Goodbye, Mr. Chance », dans lequel un jardinier professe des choses du genre « après la pluie, le beau temps », finalement est investi par tout un tas de gens d'une sagesse à laquelle il n'avait pas songé lui-même et qui vient en lice pour être président des États-Unis. Ah ben moi, j'ai le souvenir, Judith Bernard, chez qui j'avais fait un entretien pour le site hors série, qui m'avait soumis un extrait du film de Monty Python, La vie de Brian. Alors, c'est extraordinaire, La vie de Brian, hein, c'est ce malheureux Brian passe là, et tout d'un coup, la communauté lui tombe dessus en décrétant qu'il est le Christ et qu'elle va lui vouer un culte. Alors Brian est épouvanté, évidemment, s'enfuit, il perd une godasse dans sa course, on ramasse la sandale qui devient un objet de culte, c'est la sainte sandale, etc., etc. Et bon, évidemment, donc Brian n'en peut mais, quoi. Oui, alors c'était un cas, si je m'en étais souvenu, j'avais vu le film et ça ne m'avait pas frappé à l'époque, si je m'en étais souvenu, ça serait allé vraiment dans le livre direct. Aux antipodes du héros, page 64,
aux antipodes du héros, qui est peut-être le nom même du désir de grandeur, et pour exceptionnel qu'il soit, les cas d'innocence sont donc bien les plus proches de la vérité, puisqu'ils livrent l'argument a fortiori. Il n'y a pas besoin d'avoir désiré la grandeur pour se retrouver propulsé grand. Pour le coup, la part de ces grands-là est tout à fait nulle. S'il faut en donner un nouveau personnage après le naufragé de Pascal et le sorcier sceptique de Lévi-Strauss, on pense, parmi sûrement tant d'autres malgré nous de l'élection multitudinaire, au pape d'Amebus Papam de Nanni Moretti. Ah oui, retrouver pape contre son gré, sans l'avoir voulu. Alors, pas seulement même en n'ayant pas voulu, mais parce que la charge lui était trop lourde en ayant voulu ne pas. Tout n'était-il pas déjà écrit quand Moretti a choisi de nommer ce pape à reculons ? Melville, Herman Melville. Avec lui, en tout cas, on tient un fameux spécimen, une récapitulation presque complète de ce qu'il y a à voir dans la grandeur des grands. La part de la multitude donc, qui peut être toute, et son effet qui n'est pas moins grand pour autant. Car le pape Melville paraît au balcon, et l'affect commun n'est pas moins intense que s'il avait voulu. Tout ça, finalement, ne dépend pas de lui. La multitude œuvre aussi bien à s'impressionner elle-même sans le consentement de qui elle investit. On y voit aussi les auras du charisme multitudinaire, puisqu'à part la singularité de ses intensités désirantes, le charisme de l'homme charismatique est principalement la puissance de la multitude s'auto-affectant. Enfin, comme l'avait noté Pascal, les auras de la grandeur procèdent par signes. La pompe. Citation. Nos magistrats ont bien connu ce mystère. Leurs robes rouges, leurs hermines dont ils s'emmaillotent en chafouré, les palais où ils jugent, les fleurs de lys, tous ces appareils augustes étaient fort nécessaires. Et si les médecins n'avaient des soutanes et des mules, et que les docteurs n'eussent des bonnets carrés et des robes trop amples de quatre parties, jamais ils n'auraient dupé le monde qui ne peut résister à cette montre si authentique. Pascal, dans les pensées. Je reprends. Grande différence avec les gens de guerre, qui, eux, n'ont pas besoin d'être déguisés de la sorte, parce qu'en effet, leur part est plus essentielle. Ils s'établissent, citation de Pascal, ils s'établissent par la force, les autres par la grimace. Si elle n'est pas celle de l'imposition par la force, la grandeur est affaire d'imagination. Et l'imagination commune, pour être soutenue, a besoin de la montre. Montrer de la grimace. Sans les attributs de sa grimace propre, tiare, férule, anneau, mule rouge, soutane blanche, le pape ne serait pas le pape. L'habitude est telle de le voir dans cet équipage que l'imagination est incapable de le concevoir autrement. C'est pourquoi l'effet de contraste est à son comble quand le film nous montre le pape Melville, fugueur du Vatican, échappé en civil, un bon pépé en pull et en blouson, déambulant gentiment dans les rues de Rome, seul moyen de nous faire mesurer la part de l'effet auraïque de la potentia multitudinis. Par l'écart gigantesque qui sépare l'homme ordinaire de l'homme extraordinaire. Pourtant le même homme, en nous faisant comprendre que la transformation de l'homme ordinaire en homme extraordinaire n'appartient en définitive qu'à la multitude, vox multitudinis vox Dei. Alors, on avance dans le livre. On a vu comment pouvaient s'instituer les valeurs en général, les grandeurs de tel ou tel, c'est-à-dire la valeur de tel ou tel. Et puis, il y a quand même une valeur qui nous turlupine assez souvent, hein, et qui est un cas particulier, finalement. C'est la valeur économique, dont tu dis, j'adore la formule, qu'elle n'est pas moins creuse que les autres. Donc, il y a, selon toi, notamment,
un point aveugle de la pensée économique, qui est une sorte de difficulté d'envisager la valeur autrement que sous la figure du nombre. Les économistes calculent, on vous fait des additions, des soustractions, et à la fin, on vous dit, bah, non, c'est pas possible, on ne peut pas augmenter les infirmières. D'accord ? Mais que peuvent-ils faire d'autre que de calculer ces économistes ? Et en quoi cette difficulté qu'ils ont à choisir la figure du nombre à l'exclusion de toutes les autres est-elle un symptôme ? Que les économistes aient à calculer, pas qu'ils n'aient à faire que ça, mais qu'ils aient à calculer, ça entre pour ainsi dire dans leur concept. Je me souviens d'une époque lointaine où l'un des fondateurs de la théorie de la régulation, qui s'appelle Michel Aglietta, avait donné une définition extrêmement pénétrante de la science économique. Il y avait la définition pour les manuels universitaires, qui est la science de l'allocation optimale de moyens rares, ou une connerie dans le genre, enfin, qui était un truc vraiment à l'usage de la théorie néoclassique, qui est, si vous voulez, l'appareil universitaire du néolibéralisme, pour dire les choses de manière à la fois simple, un peu inexacte et passablement polémique. Mais pas complètement fausse non plus. Hein. Bon. Donc les économistes ont à calculer parce que, et c'est ça la définition que donnait Michel Aglietta de la science économique est la science des rapports sociaux qui se trouve une expression nombrée sous la forme d'un chiffre en unité monétaire. Voilà, ça, c'était vraiment très, très intéressant. D'abord, ça mettait le monétaire au cœur de la définition de la science économique et ça indiquait qu'effectivement, c'est un type de rapport social particulier, le rapport social économique, dans lequel, par essence, on compte. Donc, d'une certaine manière, on aurait mauvais gré de le leur reprocher. Ça fait partie de leur travail. En revanche, là où tu as raison de poser la question du symptôme, c'est que de ce que les économistes, par construction, ont partie liée avec le nombre, ils en tirent une conclusion quant à la valeur de leur valeur, c'est-à-dire quant à la valeur de la valeur économique, qui, elle, est irrecevable. C'est-à-dire qu'ils en tirent la conclusion que puisque c'est nombré, c'est objectif. Que la valeur économique, en tant qu'elle s'exprime sous la forme de nombre, est par conséquent une valeur objective. Et là, non, bien sûr. Alors, moi, je dois dire que je voudrais saluer au passage André Orléans, une fois de plus, qui m'avait fait connaître un petit texte dans les œuvres complètes de Durkheim. Les écrits hors des œuvres bien identifiées. Donc, il y a 3 gros volumes aux éditions de minuit, etc. On lit rarement tout, de la première à la 2000e page. Bon, voilà. Et il y a un petit texte que lui n'avait pas loupé, d'une conférence qu'Émile Durkheim fait à la Société d'économie politique en 1907 ou 1908, je ne me souviens pas. Durkheim, sociologue devant les économistes. Même de l'époque, ils étaient déjà aussi crétins. Là, il y a un truc de longue période, hein, vraiment qui est tout à fait impressionnant. Alors, Durkheim commence en leur disant... vous considérez que les sciences sociales, ce qu'on appelait jadis les sciences morales et politiques, qui s'occupent par exemple des faits de valeur que je mentionnais tout à l'heure, la valeur morale, la valeur esthétique, la valeur juridique, la valeur des croyants, etc., vous considérez que ce sont des faits d'opinion. Et vous avez raison, les économistes sont vraiment tout à fait ravis d'entendre ça, puisque c'est ce qu'ils pensent également. Ces histoires de valeurs sociales, c'est des histoires d'opinion, ça fluctue, on ne sait pas trop comment, c'est un peu n'importe quoi, etc. Et, poursuit Durkheim, vous considérez que votre valeur à vous, la valeur économique, c'est une valeur objectivement fondée. Alors là, oui, ils sont toujours tout aussi d'accord. Et évidemment, in coda venenum, Durkheim finit en ajoutant, mais vous vous trompez, la valeur économique n'est pas moins affaire d'opinion que toutes les autres valeurs. Scandale! Tollé, et là, Durkheim a complètement raison, bien sûr. La valeur économique doit être réintégrée dans un programme de recherche général qui donne cette théorie transversale dont je parlais tout à l'heure de la valeur. Donc, pour faire une formule, je dirais la valeur économique ou la valeur des économistes est un cas particulier qui se croit particulier.
C'est-à-dire, c'est un cas particulier de la théorie générale, mais eux se croient hors de la théorie générale, n'est-ce pas ? Alors qu'il n'en est rien. Bon, voilà. Alors, c'est ça le drame des économistes, et y compris des économistes marxistes. Alors, évidemment, ça, c'est un point où André et moi, on est, évidemment, on est, comment dirais-je, on est en porte-à-faux avec nos collègues économistes hétérodoxes marxistes, avec lesquels, par ailleurs, on a beaucoup de sympathie, mais où là, il y a un différent qui est tout à fait irréductible, puisque les économistes marxistes, alors c'est compliqué la théorie de la valeur chez Marx. Je vous renverrai davantage aux travaux d'André Orléans qui a vraiment déplié ça de manière extrêmement soigneuse et montré que la théorie de la valeur travail chez Marx est une valeur substantialiste. Alors ici en général, les marxistes se récrient en disant « mais non, c'est complètement faux ». La théorie de la valeur chez Marx, c'est la théorie du fétichisme, c'est donc une théorie relationnelle, ce qui n'est pas faux non plus. On se retrouve donc dans le chapitre 1 du livre 1 du Capital avec deux théories de la valeur. Une théorie substantive de la valeur, une théorie de la valeur substantielle, si vous voulez, et qui est la théorie de la valeur travail, et une théorie relationnelle, qui est la théorie du fétichisme. Deux théories. Comment savoir laquelle est la bonne dans la tête de Marx ? La réponse d'André est assez pragmatique. C'est-à-dire, regardez celle qui est effectivement mise au travail dans toute la suite du Capital. Et c'est la première. C'est la théorie de la valeur substantielle. C'est elle qui va fonder la théorie de la plus-value, donc la théorie de l'exploitation, etc. etc. Alors évidemment, ça nous pose plein de problèmes. Si vous ôtez sous la théorie marxiste le tapis de la valeur substantielle, tout se casse la gueule, hein, y compris la théorie de l'exploitation, à laquelle pourtant on pourrait avoir envie de tenir encore. Bon, alors moi, dans d'autres ouvrages, j'ai tenté d'apporter des solutions de substitution. On peut continuer, si vous voulez, de tenir le discours critique qu'on a envie de tenir sur le capitalisme sans en passer par une théorie de l'exploitation qui soit fondée sur la théorie de la valeur substantielle. Bon, je laisse tout ça de côté. Le point que je voulais souligner est simplement le suivant. C'est qu'il y a cette espèce de, comment dirais-je, de solidarité implicite dans le champ des économistes qui réconcilie jusqu'au plus extrême. Vous voyez, aussi bien les théoriciens néoclassiques que les théoriciens marxistes ont en partage, qu'ils le sachent ou non, une conception substantialiste de la valeur économique contre laquelle donc André et puis moi, à ma manière, nous opposons. Mais en tout cas, voilà, c'est ça le symptôme. Le symptôme, en quoi le nombre fait-il l'obsession ou la centralité du nombre fait-elle symptôme chez les économistes, c'est là-dessus. C'est sur l'idée que parce qu'il y aurait du nombre, il y aurait une objectivité de la valeur économique dont la valeur économique aurait le privilège et dont toutes les autres valeurs sociales seraient dépourvues. Oui, dans ton livre, tu donnes d'ailleurs un exemple assez éclairant de la faiblesse de la théorie marxiste de la valeur sur son versant substantiel, c'est celui de la vente aux enchères. Alors la vente aux enchères est un processus qui peut aboutir, alors selon les circonstances, etc., qui peut aboutir à des valorisations qui sont tout à fait extravagante, ou alors même à l'inverse, tout à fait dérisoire, peut-être pour le même objet. Mais moi, l'exemple qui m'impressionne le plus, c'est toutes ces paires de chaussures identiques qui sortent de la même chaîne de fabrication chinoise, et qui, selon qu'elles seront griffées ou pas, vont finir sur le marché avec des prix extrêmement différents. Donc avec un contenu en valeur travail qui est le même, mais des valorisations économiques finales qui seront tout à fait divergentes. Donc là, il y a un ensemble de phénomènes avec lesquels je trouve la théorie marxiste de la valeur travail est vraiment en difficulté. Et là où, bien sûr, la théorie de la théorie substantielle de la valeur explose, mais dans les grandes largeurs, c'est évidemment chaque fois qu'il est question de valorisation financière. C'est encore autre chose. Alors, que ce soit d'ailleurs pour imposer sa marque ou ses marques, sa griffe, ou pour s'imposer en politique, ce que tu montres assez bien dans une partie que tu appelles axiomachie, tu vas peut-être nous expliquer le mot qui est un peu compliqué, axiomachie. Tu montres assez bien à quel point des luttes sont indépassables
pour affirmer les valeurs, pour affirmer la position de telle ou telle entreprise, de tel ou tel parti politique, de tel ou tel auteur dans un dispositif où l'éditeur, les journalistes ont un rôle à jouer. Hein. Donc, voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces luttes ? Alors, axiomachie, c'est simple, hein, c'est axiomachia, donc axio de la valeur, machia, la lutte. Machie comme dans logomachie, gigantomachie, etc. Gigantomachie, là, c'est la lutte des géants et des titans. Bon. Oui, c'est peut-être le cœur du livre, c'est que le corrélat nécessaire de la condition anarchique, c'est l'axiomachie. À partir du moment où il n'y a pas d'ancrage absolu, d'ancrage certain de la valeur, alors la possibilité de la lutte pour réimposer des valeurs est toujours de droit, elle est toujours ouverte. À cet égard, il faut dire quelque chose là, sur le concept de multitude, puissance de la multitude, hein, la multitude au singulier. Il ne faut pas se laisser abuser par ce singulier, et pour ne pas se laisser abuser, il faut être au clair quant au statut conceptuel de la multitude. Ouais, c'est une chose qui me différencie, par exemple, de toute une série d'autres emplois du mot multitude, notamment ceux de Negri et Hart, n'est-ce pas, qui ont écrit des livres où multitude était dans le titre, hein, bien sûr. Alors, mon point est un peu abstrait et un peu conceptuel, mais je vais le faire quand même. La multitude, ça n'existe pas. La multitude est, chez Spinoza, un concept que je dis spéculatif. Un concept spéculatif, c'est un concept qui n'a pas de contrepartie empirique. Lorsque vous sortez dans la rue, ce que vous voyez, ce n'est pas la multitude. Ou plus exactement, c'est une réalisation très particulière, historiquement située, de la multitude. Une réalisation historique particulière telle que cette multitude est toujours déjà structurée, institutionnalisée, clivée, fragmentée, conflictuelle, de telle sorte qu'on ne voit pas la multitude au singulier. La multitude, c'est toujours un champ de lutte. C'est toujours des regroupements de sous-multitudes qui s'affrontent dans des domaines variés, dans tous les domaines. Dans le domaine de la politique, dans le domaine de la position des valeurs, dans le domaine de qui est l'avant-garde artistique, qui est ringard, dans le domaine de qui fait de la littérature, qui n'en fait pas, dans le domaine de qui est un économiste, qui n'en est pas, etc., etc. Et ce sont toujours des affrontements par regroupements régionaux d'affects communs, si vous voulez. Et le sort de ces luttes est tranché selon la loi élémentaire de la puissance. Les gros poissons bouffent les petits, les gros bataillons l'emportent sur les petits, etc. etc. Alors, gros, les gros bataillons, ça ne veut pas forcément dire les plus nombreux, n'est-ce pas ? Vous le savez. Je veux dire, il y a une bande remarquablement restreinte de paltoquets qui règnent dans les médias et qui font ce qu'il s'agit de penser pour tout le monde. Alors, qui commence à être un peu à la peine hein, par les temps qui courent, mais qui n'en continue pas moins d'avoir un impact hors de proportion avec leur nombre extrêmement limité. Pourquoi ? Mais il n'y a que ça des noms. On va commencer dans l'ordre. Je veux dire, ça va être un pandémonium, hein, ça forcément. Hein. Donc on va commencer par Radio Macron, c'est-à-dire Radio France. Donc France Info, macronisée jusqu'au trognon, la matinale de France Inter, celle de France Culture. Allez, on va passer sur BFM, Christophe Barbier, Bruno Jeudy, Routel Krief. On se fait toutes les chaînes d'information en continu, hein, c'est fait. Plus les éditorialistes du Monde, de Libération. Enfin bon, vous voyez, bref, toute cette frange-là des éditorialistes, c'est eux. Et qu'est-ce que c'est ? Ça fait quoi ? Ça fait quelques dizaines de personnes. Ah non, oui, non, ça, c'est pas une multitude. Non, eux, c'est pas une multitude, c'est vraiment... c'est un quarteron, c'est autre chose. Mais c'est un quarteron qui a mis au bout de sa ridicule puissance une partie de la puissance de la multitude concentrée dans la position médiatique, qui est un lieu d'où ils peuvent émettre, et je veux dire, vous voyez, c'est le ventilateur à conneries, ils peuvent asperger la totalité de la société. Donc il y a des positions dans la société, il y a des positions dans la structure sociale qu'on pourrait qualifier d'archimédiennes, c'est-à-dire des puissances où si vous y accédez,
Vous pouvez mettre au bout de votre puissance individuelle toute la puissance institutionnelle cristallisée en ce lieu. Alors c'est évidemment un effet de démultiplication qui est tout à fait considérable, hein, bien sûr. Donc n'importe quel crétin, je veux dire, s'il accède à un micro, peut commencer à dire des choses qui vont avoir de l'impact sur le plus grand nombre. Alors moi, mon cas typique pour ça, par exemple, si moi j'émets la proposition suivante, attention, une crise financière de très grande ampleur nous pend au nez comme un sifflet de ronds, ce qui est vrai, hein, ça n'a aucun impact. Si c'est le gouverneur, le président de la Banque centrale des États-Unis qui dit ça, depuis la position où il est, dans la structure sociale qu'il occupe, avec toute la puissance de multitude cristallisée qui s'y trouve concentrée, alors là, croyez-moi, ça va être le Bronx sur les marchés, hein. Donc vous voyez, le même énoncé émis de deux endroits très différents de la structure sociale ont des effets très différents dans l'opinion sociale pour être capable ou non de remobiliser des quantités phénoménales de puissance de la multitude cristallisée. Donc la multitude en tant que toute seule, ça, donc je crois qu'il y a, voilà, oui c'est ça, j'ai le fil qui foutait le camp. La multitude toute seule, ça n'existe pas. Hein, c'est, je veux dire, ça se bat. Voilà, dans le champ de l'axiologie, ça ne cesse de se battre. Évidemment, le lieu où ça se voit le plus, parce que c'est peut-être celui où l'on pressent le mieux l'absence de l'ancrage, c'est celui des valeurs esthétiques. Donc dans le champ de l'art contemporain, là, alors là, ça se classe, ça se déclasse, ça lutte pour se rétrograder ou se surgrader, etc. C'est proprement extraordinaire. Donc dans une cinquième partie que tu as intitulée « Conjurer l'anarchie », tu cites encore Pascal, « La coutume est toute l'équité par cette seule raison qu'elle est reçue. C'est le fondement mystique de son autorité. Qui la ramènera à son principe l'anéantit. » On peut observer que s'il n'est pas si facile de ramener la coutume à la dimension arbitraire de son principe, il n'est pas non plus si facile d'ignorer la force des préjugés ou des acquis en réformant à la tronçonneuse, par exemple, comme on peut le constater en ce moment avec l'annonce de la réforme des retraites. Parce que la question, c'est quand même de maintenir le consentement à la réforme. Alors comment est-ce qu'on peut changer les principes sans craindre d'installer, malgré soi, le chaos ? Oui, c'est une grande question qui connecte le thème de la condition anarchique à des considérations plus politique, même si on va rester quand même dans un plan d'abstraction assez peu oxygéné. Hein, mais cette citation de Pascal que j'ai toujours trouvée d'une profondeur extraordinaire, hein, « La coutume est toute l'équité par cette seule raison qu'elle est reçue. Ouais, » vous voyez, là, c'est vraiment l'effet de c'est ce qu'on appelle un effet de bootstrapping qui est propre à l'institution des valeurs. Le bootstrapping, c'est le nom moderne donné par les physiciens à une chose que vous connaissez sous une forme plus compréhensible et littéraire, qui est le baron de Munchausen. Vous savez, le baron de Munchausen, il se sort de la boue en tirant lui-même sur ses lacets, sur ses lanières de bottes, strap, bootstrapping, voilà. Évidemment, ça ne marche que dans l'imagination fertile du littérateur, n'est-ce pas ? Sauf dans le monde social. Dans le monde social, c'est vrai. Et c'est comme ça que la société se maintient dans son ordre axiologique. C'est elle-même qui se tire par les bottes, n'est-ce pas ? C'est elle-même qui s'auto-sustente. La coutume ne vaut que parce qu'elle est reçue. Et parce qu'elle est reçue, la coutume vaut. Vous voyez, il y a une espèce de tautologie ou de circularité, mais productive. Je veux dire, la circularité, ça n'est un obstacle que dans le domaine de la logique. Je veux dire, dans le monde social, ça peut marcher, la circularité. Et de fait, voilà, là, ça marche. Et alors, ça me permet de revenir, puisque tu avais cité cette autre citation de Pascal, « En tel pays, on honore les nobles, en un autre, les roturiers, en un troisième, ou les aînés, ou les puinés. » Pourquoi cela ? Parce qu'il a plu aux hommes.
C'est extraordinaire, parce qu'il faut vraiment prêter attention à la fois à la simplicité et à l'extrême profondeur de la formulation. Pourquoi telle chose vaut-elle ? Pourquoi ici respecte-t-on les nobles et ailleurs les roturiers ? Pourquoi ici respecte-t-on les aînés et là les puînés ? Pourquoi vérité, vous savez, les Pyrénées, tout ça, n'est-ce pas ? Parce qu'il a plu aux hommes. Et c'est tout. N'allez rien chercher derrière. C'est le fin mot de la valeur. Il a plu aux hommes. Et alors, il a plu aux hommes, c'est-à-dire, ça les a emplis. Alors, il faut tout disséquer. Hein. Il a plu, un affect joyeux, aux hommes, pluriel, affect commun. C'est l'affect commun qui soutient la valeur. Point, barre. Voilà. Alors, là, il faudra qu'on revienne sur ce... Je vais traiter de la dernière partie de ta question, parce que... Dans la citation complète de Pascal, la deuxième, n'est-ce pas, je relis, c'est le fondement mystique de son autorité qui la ramène à son principe, l'anéantit. Alors là, il y a aussi quelque chose de vertigineux. Évidemment, ramener la valeur à son principe, c'est la ramener à l'effet de bootstrapping de l'axiologie sociale. Et alors si on pense à ça trop fort, évidemment, tout vacille. C'est-à-dire, l'ordre social, en tant qu'il est un ordre de valeur, a besoin pour se soutenir et pour se maintenir de la croyance en la valeur des valeurs. Mais si on vient vous expliquer par le menu qu'il n'y a aucune valeur des valeurs, alors ça va mettre du branle dans le manche un peu partout, n'est-ce pas ? Et il va falloir que la société se démerde avec ça. Et c'est une sacrée affaire. Bon. Alors maintenant, donc la partie de ta question, c'est comment est-ce qu'en dépit de tout ça, on peut changer les principes, c'est-à-dire changer les valeurs, sans repasser par le point d'anarchie, où on redécouvre que rien ne vaut vraiment, et donc sans sombrer dans le chaos complet. Là, la réponse, c'est une réponse, disons, pratique. C'est parce qu'en réalité, il y a une architectonique de la valeur. Tu comprends ? La valeur, c'est des principes étagés, avec les plus fondamentaux, et puis des principes de niveau intermédiaire, et puis des principes de niveau moindre, etc., etc. Donc, tu peux mettre en cause les principes de niveau moindre, voire les principes intermédiaires. Voilà, par exemple, j'ai des choses très... Alors, c'est souvent des questions morales. Divorcer. Est-ce que divorcer est un mal qui doit stigmatiser les gens ? Moi, je suis d'une génération où, je peux vous dire, les enfants de divorcés morflaient sacrément hein, dans la cour de récréation. Bon, et puis la société a travaillé sur elle-même. Elle a travaillé sur elle-même et elle a refait ses valorisations morales autour du divorce sans en passer par le point de chaos. Pourquoi ? Parce que cette réfection de la valeur s'appuyait sur des arrière-plans de la valeur qui, eux, n'étaient pas constitués. Si on détruit tout, alors là, oui, c'est le chaos complet. Mais si on ne détruit pas tout, on peut commencer à bouger certaines choses. Et alors, vous connaissez maintenant, c'est un topo, ce qui est presque digne d'une comédie sociétale pour dimanche soir sur TF1 à 21h. Hein. C'est vrai, dans les cours de récré, deux gosses se rencontrent et se disent « tes parents ne sont pas divorcés à toi ?» Oh, bah alors, c'est presque lui, le pauvre malheureux, quoi. Vous voyez, donc, tout s'est renversé. Bon, donc, il y a des... Voilà. Mais c'est ça aussi l'effet de l'axiomachie. C'est que la société... Alors, certaines sociétés retravaillent en permanence leur corpus de valeurs. Donc, la lutte est constante. Ça conteste partout ce qui est établi. Ça tente de refaire ailleurs, autrement, etc., etc. Mais sans tout refaire de la cave au grenier. Alors... Tu évoques notamment dans cette partie toujours conjurer l'anarchie une morale de l'ordre social implicite qui n'est pas nécessairement formulée comme telle mais qui n'en pense pas moins et qui joue contre les changements trop visibles. Alors tu qualifies cette disposition de pensée de derrière. Est-ce que tu peux développer ce point ? Ah ben c'est pas moi, c'est mon cher Pascal hein, qui parle de la pensée de derrière. Alors, tu veux le lire ? Non, après... s'il y a de la pensée de derrière maintenant, j'achète. Hein. Ouais. Page 162. La pensée de derrière, c'est une morale de l'ordre social, mais, comme il vient d'être dit, qui n'en pense pas moins. Citation, Pascal. Il n'est pas nécessaire, parce que vous êtes duc, que je vous estime. Mais il est nécessaire que je vous salue. Fin de citation. Pascal est conservateur. Bon, c'est tellement évident, oui.
Spinoza n'est pas très éloigné de lui sous ce rapport. Tout vaut mieux que l'effondrement de l'ordre social. Bien sûr, entre la conservation et la destruction, il y a la transformation. Et en cela, Spinoza le voit sans doute mieux que lui, enfin, Pascal. Voilà. Ça va ? Ah oui, oui bon. Ah oui, oui, oui. Bah oui, parce que là, on peut... J'adore cette citation, c'est encore, ça sort encore des trois discours sur la condition des grands, sur le duc, qu'il n'est pas nécessaire d'estimer, mais qu'il est nécessaire de saluer. Ouais, Pascal, c'est ce mélange de concision et de densité est proprement extraordinaire. Et alors, effectivement, Pascal fait la différence entre trois manières différentes de se mettre en rapport avec la condition anarchique. Il y a ce qu'il appelle lui-même les opinions saines du peuple. Alors, les opinions saines du peuple, c'est le rapport non critique aux valeurs telles qu'elles sont. C'est-à-dire, c'est le rapport aux valeurs inconscient de leur arrière-plan anarchique. C'est, disons, la foi du charbonnier, la croyance heureuse, n'est-ce pas ? Les valeurs sont ce qu'elles sont, elles valent comme elles valent, nous les avons élues, nous vivons selon elles. Et puis, il y a la position critique. La position critique, c'est-à-dire celle qui voit que les valeurs ne valent pas, mais qui se contente de voir cela et cela seulement. Et ces gens-là, Pascal les appelle les demi-habiles. Pourquoi il les appelle les demi-habiles ? Parce que le demi-habile est celui qui fait le malin. Pascal dit qu'il fait l'entendu. J'adore cette expression. Le demi-habile fait l'entendu. Ouais, celui à qui on ne la fait pas, n'est-ce pas ? Bon. Et le demi-habile, évidemment, c'est ça sa demi-malhabileté, ne peut pas s'empêcher de faire l'intéressant. Alors, pour faire l'intéressant, il raconte ce qu'il a compris. Il raconte que les valeurs ne valent rien. Mais ce faisant, il exerce une action incroyablement corrosive sur l'ordre social, puisque l'ordre social est nécessairement un ordre axiologique. Alors, faudrait parler de Dostoïevski tout à l'heure, sur cette correspondance intime entre l'ordre social, l'ordre politique et l'ordre axiologique. Si bien que si vous détruisez l'ordre axiologique à coup d'assertion sur le non-valoir des valeurs, ipso facto, vous détruisez l'ordre social et politique. Et cela, Pascal ne le veut à aucun prix. Pour lui, le personnage supérieur, c'est l'habile complet. L'habile complet, c'est le demi-habile plus la pensée de derrière. C'est-à-dire, l'habile complet, c'est celui qui voit bien que les valeurs ne valent pas, mais qui voit également qu'il faut faire comme si elles valaient, parce qu'il y va de la persévérance du corps collectif, tout simplement. Bon. Alors oui, c'est une position extraordinairement conservatrice, bien sûr. Pascal veut qu'on continue à saluer le duc, même si on a cessé de l'estimer. Et on pourrait vouloir qu'il n'y ait plus de duc du tout. Et d'ailleurs, deux siècles plus tard, c'est bien ce qui va se produire. Bon, ça, c'est la limite, c'est la limite de la pensée pascalienne. Mais qui, en tout cas, voit quelque chose qu'il faut réfléchir. Et quelque chose qui est quoi ? Qui est le rôle nécessaire de la méconnaissance dans le fonctionnement de l'ordre social. Si vous voulez, en effet, on ne peut pas vivre collectivement si on est constamment, entièrement, réellement, je veux dire sérieusement habité par l'idée que les valeurs ne valent pas. Moi, j'écris un livre sur la condition anarchique, donc je crois que je sais à quoi m'en tenir à ce propos, et ça ne m'empêche pas de vivre selon des valeurs qui sont les miennes. Comment ? Ah ben, tout simplement parce que je fais comme tout le monde. Mes valeurs, je les soutiens à coup d'affect. Il y a les affects qui sont les miens. Bon, très bien, je sais que je ne pourrais pas, dans la dispute, leur donner le fondement absolu que certains voudraient le trouver, mais je m'en fous. Mes affects me suffisent. Donc j'ai mes affects de détestation, mes affects d'adhésion, mes affects de colère politique, et c'est ainsi. Et donc c'est ça, dans ce régime de l'agir humain que Spinoza nomme la servitude passionnelle, nous sommes confronté à quelque chose qui, en matière axiologique, est fondamentalement de l'ordre d'un décisionnisme des affects. À la fin des fins, si vous voulez, quand vous êtes dans une controverse et que vous argumentez en principe, c'est-à-dire en valeur, et si la controverse remonte dans l'ordre de la généralité, pourquoi ce principe ? Et que vous allez adosser ce principe à un principe supérieur ? Et pourquoi cet autre principe ? Et que vous allez aller chercher un principe encore supérieur. Mais à la fin des fins, ça va s'arrêter. Et à la fin des fins, la réponse, ça sera
Parce que c'est ainsi. Moi, je crois à l'égalité. Voilà, c'est comme ça. Vous pouvez n'y pas croire, mais moi, c'est comme ça. Bon, etc., etc. Bon, voilà. Eh bien, c'est par là, peut-être, qu'on peut contourner la bille complète. Alors, dans ton dernier livre, « Vivre sans point d'interrogation », tu pointes, d'une certaine façon, la naïveté qu'il y a à croire qu'on peut se passer d'institutions, qu'on peut se passer de police, de travail ou d'argent. Néanmoins, tu décides d'ouvrir un dialogue avec les positions au moins théoriques d'une entité informelle, disons, en tout cas informelle d'où je la vois, qui s'appelle le comité invisible. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi d'entamer un dialogue avec le comité invisible? Tu n'y étais pas obligé. C'est donc que tu as bien... que tu consens à considérer un certain nombre des thèses émises par cette entité comme pertinentes. Donc pourquoi ce dialogue? Et notamment, tu... Voilà. Écoute, je ne voudrais pas faire dérailler là, le programme, mais disons les choses, on s'est un peu arrangé avant, hein, vous voyez. Et en particulier, parce que c'est dans le droit fil, en fait, de la question précédente. Léon m'a dégoté un truc absolument magnifique que je ne connaissais pas. Parce que sur cette question de la méconnaissance, il y a plein d'œuvres littéraires dont il faut parler avant d'en venir à vivre sans ce dialogue avec le comité invisible, etc. Et l'un des petits joyaux que tu m'as dégoté, c'est une préface à l'édition américaine du Caligula de Camus, dont le thème central me semble être la méconnaissance. Donc là, je laisse faire l'artiste. Caligula, prince relativement aimable jusque-là, s'aperçoit à la mort de Drusilla, sa sœur et sa maîtresse, que le monde tel qu'il va n'est pas satisfaisant. Dès lors, obsédé d'impossible, empoisonné de mépris et d'horreur, il tente d'exercer par le meurtre et la perversion systématique de toutes les valeurs une liberté dont il découvrira pour finir qu'elle n'est pas la bonne. Il récuse l'amitié et l'amour, la simple solidarité humaine, le bien et le mal. Il prend au mot ceux qui l'entourent, il les force à la logique. Il nivelle tout autour de lui par la force de son refus et par la rage de destruction où l'entraîne sa passion de vivre. Mais si sa vérité est de se révolter contre le destin, son erreur est de nier les hommes. On ne peut tout détruire sans se détruire soi-même. C'est pourquoi Caligula dépeuple le monde autour de lui et, fidèle à sa logique, fait ce qu'il faut pour armer contre lui ceux qui finiront par le tuer. Ça évoque comme un personnage de la série Game of Thrones, frère et sœur meurtrier. Ouais, je n'ai pas vu Game of Thrones, je suis largué. Hein, donc j'ai lu Caligula c'est une œuvre. Je ne peux pas m'empêcher de la lire autrement que comme une pièce entièrement consacrée à la condition anarchique. Cette citation là de cette préface à l'édition américaine est vraiment, vraiment extraordinaire. Caligula est un homme de pouvoir qui prend la condition anarchique au sérieux et qui entend vivre en conséquence. Hein, n'est-ce pas? C'est ça. Il prend au mot ceux qui l'entourent et il les force à la logique, c'est-à-dire à voir ce qu'ils ne veulent pas voir, à voir ce qui est caché par la méconnaissance. Hein, c'est ça, savoir que les valeurs ne valent rien. Et ben, il va les faire entrer dans un monde où toutes les valeurs peuvent changer à chaque instant. Et évidemment, c'est un chaos, ça se finit en un chaos sanglant. Alors, je me souvenais plus de Caligula, prince relativement aimable, jusque-là s'aperçoit à la mort de Drusilla, sa sœur et sa maîtresse, que blablabla. Et c'est là qu'on bascule dans la condition anarchique. À la mort de... Vous voyez, il y a un événement quand même, la mort
de sa sœur et sa maîtresse. C'était pas très bien parti, cette histoire, hein, quand même. Ça sent vraiment le psychotique qui décompense. Et d'ailleurs, je le dis pas par hasard, hein, je le dis pas par hasard parce que Caligula va faire entrer dans un monde complètement psychotique où il n'y a aucun ancrage robuste du signifiant, de la valeur, de rien du tout. Il est le prince et il va faire entrer la totalité de son royaume dans une espèce de régime de psychose généralisée. Alors là où c'est tout à fait où il y a des échos qui sont vraiment tout à fait intéressants, c'est lorsque Camus évoque, je cite, une liberté, c'est-à-dire la liberté de faire valoir rigoureusement n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, une liberté dont il découvrira pour finir qu'elle n'est pas la bonne. Je ne sais pas s'il découvre ça. Il meurt assassiné, hein, donc ça c'est sûr qu'à la fin, tout à la fin, il découvre un truc. Mais il faudrait s'entendre sur ce mot de liberté, parce qu'évidemment, il y a quand même une forme de mièvrerie qu'on n'arrive jamais à éliminer complètement de Camus, vous voyez, lorsqu'il dit « Mais si sa vérité, celle de Caligula, est de se révolter contre les destins, son erreur est de nier les hommes, de nier les hommes. » Mais non, il nie rien du tout. Enfin, ça ne veut rien dire, cette phrase. Précisément, la condition anarchique, c'est la condition humaine. Donc, au contraire, il en affirme quelque chose, mais quelque chose de très dangereux de la condition humaine. Avec quoi les sociétés d'habitude tentent de compenser, de composer, mais avec laquelle la chose dangereuse avec laquelle lui il décompense, décompose tout ce que vous voulez. Non, la liberté ici est pas du tout un motif d'humanisme gnangnan, hein. Moi, cette liberté là, je pense qu'elle est à comprendre au sens de Dostoïevski, parce que Dostoïevski, sa grande question, comme vous savez, c'est la liberté, quand, n'est-ce pas, lorsque si Dieu est mort, alors tout devient possible. Mais la liberté de Dostoïevski, c'est pas du tout la liberté de la métaphysique subjectiviste, et puis pour finir libérale, etc. La liberté, c'est la situation de l'homme dans la condition anarchique. Donc c'est une affaire tout à fait sérieuse. Et Camus écrit un peu plus loin: Caligula est l'histoire d'un suicide supérieur. C'est très intéressant, cette phrase. C'est l'histoire d'un suicide supérieur. Mais suicide de qui? On pourrait dire, en première lecture, suicide de Caligula, qui se rend tellement odieux qu'il va finir par se faire assassiner, et que c'est une forme de suicide organisé. Mais en réalité, ça va beaucoup plus loin. Le suicide supérieur dont il s'agit, c'est le suicide du corps social. C'est le suicide du corps collectif. Un corps collectif qui bascule, ou qu'on fait basculer dans la condition anarchique prise au sérieux, est un corps collectif qui va s'autodétruire. Un corps collectif qui va se décomposé, puisqu'il n'est plus composé par aucune de ses valeurs communes, étant donné que celles-ci ont toutes été destituées, et pas seulement dans leur accident, mais dans leurs principes. Donc c'est ça. Et les sociétés luttent contre la condition anarchique. Elles dressent en permanence des digues, des remparts, notamment ceux de la méconnaissance ou ceux de la croyance, c'est-à-dire tout ce qui entretient l'adhérence et le comme-si, un comme-si si bien réalisé qu'il ne doit plus paraître comme un comme-si, précisément. Il doit entretenir ce que Pascal appelle des opinions saines du peuple, l'adhésion inquestionnée au premier degré, etc., etc. C'est ça le suicide supérieur dont il est question. C'est le suicide du corps collectif. Et dans Dostoïevski, précisément, dans Les démons, la démolition méthodique des valeurs par ces espèces de conspirateurs à la mie de pain, cette démolition systématique tourne et même a pour visée la démolition du corps politique, dont la métonymie est donnée par la fameuse scène du bal chez Yulia Mikhailovna, qui est la femme du gouverneur, qui est une espèce, alors c'est un bordel en explosion généralisée. Tout s'écroule, les gens se mettent à faire n'importe quoi parce qu'ils ont été travaillés, sapés de l'intérieur dans leurs valeurs qui sont érodées tant et si bien qu'elles finissent par s'effondrer et que tout part dans tous les sens. Là, tout est rendu à la divergence générale. Là, on laissera en suspens les relations de Frédéric avec le comité invisible pour une prochaine séance. Mais la parole est à vous. Il n'y avait pas un micro. Ah, ben voilà.
Ça va pour l'instant. Non, non, parce qu'il faut que... Ça marche pas le micro là. Oui, parfait. Oui, merci beaucoup. Du coup, c'était très intéressant. J'avais une question concernant cette idée avec les affects et Spinoza, comme quoi, si j'ai bien compris, ce n'est pas que l'objet a une valeur en soi, mais c'est parce que nous lui attribuons une valeur que nous allons vers cet objet. Ça me fait penser à la question un peu du vivant chez Canguilhem. Je pense à ça parce que, dans l'optique du vivant, il y a des valeurs en tant que telles que le vivant reconnaît en tant que bonnes ou mauvaises, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont bonnes pour lui, des choses qui sont mauvaises pour lui. Dans cette optique-là, je me demandais si la théorie de l'affect de Spinoza s'appliquait et on continuait à avoir une valeur attribuée à une dimension plutôt subjective ou interne au vivant, ou si on pouvait trouver une sorte de valeur objective, si ça allait contre la théorie de Spinoza dans cette idée-là, parce que bon, on a du mal à penser qu'une bactérie a une subjectivité, pourtant elle a des valeurs, il y a des choses qui sont bonnes pour elle, des choses qui sont mauvaises pour elle, et dans cette optique-là, est-ce qu'on a une réponse à donner par rapport à ça? Voilà, merci. Bonjour, moi je voudrais revenir sur le passage sur la question de la valeur chez Marx. Est-ce que vous pourriez revenir sur vous avez parlé des deux définitions qu'il donne dans le chapitre 1 du livre 1 du Capital, entre théorie substantialiste et théorie relationnelle de la valeur. J'ai pas bien compris en fait quelle différence vous faites chez Marx à propos de ce concept. D'après ce que j'avais compris, pour Marx, la valeur économique, c'est le temps de travail socialement nécessaire moyen, et ça c'est vraiment très important, la question de moyen pour produire un bien, et donc justement je vois pas en quoi ça entre en contradiction avec l'exemple que vous avez pris de la chaîne de production de baskets, que la valeur change selon qu'une basket soit griffée ou non, puisque chez Marx c'est la valeur, c'est le temps de nécessaire moyen qui compte et non pas selon un objet ou un autre. Voilà, merci. Bonsoir. Si je vous ai bien compris, dans un premier temps, vous avez dit que c'était la multitude qui faisait la grandeur d'un homme. Et puis, dans un second temps, j'ai cru comprendre que c'est plutôt une minorité agissante qui peut également faire la grandeur d'un homme. Et je pense à l'élection au poste suprême de quelqu'un avec une minorité de voix. Oui, donc bonjour. Alors, je vais essayer de faire vite, hein, parce qu'il y a pas mal de demandes de parole. Alors, j'ai deux questions un peu abruptes comme ça. Alors, la première, c'est quelle est votre relation avec l'œuvre de Nietzsche? Parce que quand je vous entends nous parler de la mise en cause de la valeur des valeurs, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes en train de nous dire d'une autre façon que Dieu est mort. Et ma deuxième question, c'est qu'en vous entendant parler de Caligula, je me suis demandé si dans la condition anarchique telle que vous essayez de nous la dépeindre, on peut encore faire la différence entre la liberté et l'arbitraire. Voilà.
j'avais aussi une question. Bonjour. Je voudrais savoir si vous pouviez revenir un petit peu sur la théorie de la multitude, dans le sens où ça m'a fait penser un petit peu à Étienne de la Boétie dans le discours de la servitude volontaire, dans la mesure où la Boétie défend la thèse selon laquelle le tyran n'a de puissance que parce que la multitude lui en accorde. Et est-ce qu'on pourrait voir la multitude comme une forme de tyrannie, au sens où l'acquiescement à la multitude est juste dû au fait qu'on l'autorise, en quelque sorte, on rend possible la puissance de cette multitude? Je reviens sur la valeur. Je pense qu'il y a quand même des choses qui ont la valeur intrinsèque, en dehors de notre désir. Par exemple, l'air, l'eau. Je n'ai pas beaucoup de difficultés à désirer l'air, mais l'air en soi, il a une valeur. On peut parler, par exemple, dans l'économie, valeur d'usage. J'attendais que vous en parliez, mais même en économie, vous avez resté sous les valeurs d'échange. Voilà. Voilà. Alors, j'ai essayé de parcourir comme je peux. J'aime beaucoup votre question sur le vivant chez Canguilhem, qui est un immense auteur spinoziste. Le normal et le pathologique est un très grand livre spinoziste où Spinoza n'est pas cité, mais il est présent partout, c'est pas grave, on s'en fout. Et en effet, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Un organisme est un automate valuateur, nécessairement. Du reste, ça me permet de répondre très rapidement à la question sur Nietzsche, n'est-ce pas ? Parler d'automate valuateur, je veux dire, être un automate valuateur, c'est remobiliser un des effets de la volonté de puissance chez Nietzsche. On est là vraiment, là, on est dans des domaines où ça se parle de très près, toutes ces choses. Donc, vous voyez, Spinoza, Nietzsche, Canguilhem, là, il y a quelque chose qui est très serré entre ces trois auteurs. Autour de comment dirais-je, de l'automatisme axiogénique. C'est, je veux dire, évaluer, juger, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas le produit d'un décret de l'esprit. C'est un dynamisme du corps. C'est ça qui est. Alors, ça fait partie des choses très, très. Enfin, pas simples à comprendre, hein, n'est-ce pas? Mais c'est plier dans votre corps vos valeurs. D'ailleurs, ça se voit, hein, parce que une agression de valeur, ça suscite un mouvement réflexe qui, comme son nom le dit ou ne le dit pas, est un mouvement pré-réflexif. Donc c'est quelque chose en vous à parler comme un ressort qui s'est détendu immédiatement, enfin, avant même toute élaboration spéculative. Donc c'est cette idée de l'automatisme axiogénique comme quelque chose qui est inhérent à l'existence d'un corps dans le monde, c'est quelque chose qui est présent très très fortement chez tous ces auteurs et qui conduit en effet à reformuler une théorie de la valeur ou de la valorisation, mais dans des coordonnées entièrement différentes de celles de l'ordre des valeurs comme transcendance dans un ciel axiologique, on ne sait pas lequel, etc., mais comme valorisation immanente du conatus. Oui, le conatus, cet effort pour persévérer dans l'être, qui est la vitalité chez Canguilhem, etc., est un principe d'élan d'une chose dans le monde fondamentalement créatrice de valeurs, de ses valeurs, des valeurs qui lui conviennent. Alors, je vais passer rapidement sur la controverse des théories de la valeur chez Marx, mais pour dire les choses aussi simplement que possible, la théorie relationnelle de la valeur chez Marx, c'est la théorie du fétichisme, c'est-à-dire la théorie selon laquelle les rapports des hommes aux choses sont en fait des rapports des hommes entre eux transfigurés. C'est-à-dire, lorsque les hommes s'imaginent avoir un rapport aux choses sous l'espèce de l'opération de valorisation, ils ne se rendent pas compte
qu'en réalité, ils sont en train de transfigurer des rapports entre eux, des rapports sociaux de production, notamment, etc. Donc, et ça, ça fait effectivement une théorie relationnelle de la valeur. En effet, parce qu'à l'inverse, la théorie que vous rappeliez vous-même, c'est-à-dire la théorie du temps de travail moyen, est une théorie substantielle. La substance, c'est le temps de travail moyen. Mais alors, le temps de travail moyen, ça ne fait pas une objection à ce que je disais. C'est bien le temps de travail moyen nécessaire dans la production de tel objet déterminé, pas dans toute l'économie. Donc, c'est le même temps de travail moyen qui est réinscrit dans la production de la même godasse, qui sort de la même chaîne et qui va connaître des destins prix, c'est-à-dire des destins monétaires, des destins valeurs monétaires entièrement différents selon que il y aura eu apposition de la griffe ou non. À cet égard, d'ailleurs, Bourdieu avait fait... Je veux dire, il ne retravaille pas le thème en tant que tel, mais dans un article ancien qu'il avait fait sur la griffe, c'est-à-dire la mode, je veux dire, il touchait de près cette idée-là, qui est que la griffe est une opération de magie sociale. C'est une pure opération de croyance, de convergence de la croyance sur la valeur d'un objet. Bon, voilà, et c'est comme ça que fonctionne la mode. Et alors ici, la mode, cas particulier, donne en fait la vérité générale. C'est ça qui est tout à fait intéressant. Alors, sur multitude et grandeur. Alors oui, vous avez raison, je suis passé beaucoup trop vite. Je suis passé de l'évocation d'une espèce de scène implicite où, en gros, la multitude est en prise directe avec les individus qu'elle va élire comme grands ou comme misérables, infâmes, ce que vous voulez. Et en réalité, dans le monde social historique, nous avons affaire, alors là on tombe vraiment typiquement sous l'avertissement que je faisais en évoquant Négrier et Hart, à savoir que la multitude n'existe pas, n'est-ce pas ? La puissance de la multitude existe, alors elle existe à l'état historique et elle existe surtout à l'état institutionnel. C'est ça qui est très important, à l'état institutionnel. Les institutions sont des captures de puissance de la multitude. Ce sont des cristallisations de puissance de la multitude. Et vous le savez très bien de connaissances intuitives, parce que nombreux sont les jugements sociaux qui s'adossent à des verdicts institutionnels. Tel individu vaut comme expert en histoire de l'art, parce qu'il a un diplôme de l'université comme historien de l'art, et que c'est l'institution universitaire qui valide son expertise, qui la fait être comme valeur socialement reconnue. Et l'université elle-même, son pouvoir de véridiction axiologique, lui vient de son adossement à l'État, qui est la puissance véridictionnelle de dernier ressort. Donc le monde social, si vous voulez, est une espèce de paysage comme ça, de cristallisation institutionnelle inégale, très inégale, de la puissance de la multitude. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous occupez les bons lieux dans les institutions et que vous pouvez mettre au bout de votre puissance individuelle la cristallisation de puissance institutionnelle qui est déposée là, alors évidemment, c'est un effet démultiplicateur sur vos propres possibilités qui est considérable. Et donc, en effet, un président minoritaire peut être élu minoritairement avec une majorité qui est fabriquée par une certaine cristallisation de puissance de la multitude inscrite dans les institutions qui sont celles de la Ve République, les institutions médiatiques, etc. etc. Donc, renverser des valeurs, mais c'est là que vous voyez là, cette correspondance constante entre ordre politique, ordre institutionnel et ordre axiologique. Pour renverser des valeurs, souvent, il faut renverser des institutions, n'est-ce pas ? Bon, donc, voilà, c'est le grand problème politique de l'heure. Hein. Bon, alors, sur le rapport de la liberté et de l'arbitraire, évidemment, oui, vous avez tout à fait raison. Qu'est-ce que c'est la liberté en tant que la situation de l'homme dans la condition anarchique ? C'est la possibilité de trancher arbitrairement dans le continuum indifférencié, a priori, de ce qui peut faire valeur. Et en effet, une institution, une valeur considérée comme institution, une valeur portée par une institution ou adossée à une institution, est toujours le fruit d'une performation arbitraire. Donc, disons les choses, d'un acte violent. Il y a une violence consubstantielle à toute position de valeur, à toute instauration institutionnelle, du seul fait qu'on a tranché arbitrairement entre une infinité d'options possibles et que par conséquent, on en a écarté toute une série pour n'en retenir qu'une. Et c'est pour ça que, comme la violence,
cette violence du geste arbitraire inaugural est au cœur de toute construction institutionnelle. Le renversement des institutions va rarement sans violence. Alors, d'un certain type, hein, je veux dire, pas forcément violence physique, etc. Mais il y aura toujours... Bon, alors là, pour le coup, il faut que je m'abstienne, parce que c'est vraiment tout le cœur de ma discussion avec Agamben dans Vivre sans. Hein. Agamben, dans sa théorie de la destitution, pense qu'on peut... même pas renverser des institutions, mais les faire choir d'elles-mêmes, sur elles-mêmes, en les fuyant, sans réinstituer derrière. Bon, et moi, je ne crois pas du tout ça. Alors, sur la Boétie, alors vous avez mille fois raison, hein, le lien entre la Boétie et Spinoza est absolument merveilleux. C'est-à-dire, la Boétie comprend quasiment un siècle avant Spinoza que, pour reprendre le mot de Matron, d'Alexandre Matron, grand commentateur de Spinoza, le pouvoir politique n'est pas autre chose que la confiscation de la puissance des sujets. C'est ça. Et c'est ça, si vous voulez, le monde des institutions est un monde de capture. C'est un monde où la puissance de la multitude est capturée et parfois exercée contre la multitude, donc éventuellement sous une forme tyrannique. Bon, et c'est ça, toute la problématique. S'il fallait donner un sens au mot qui commence à être usé jusqu'à la corde, d'émancipation, ça pourrait être ça le lieu de sa problématique. La problématique, c'est jusqu'où pouvons-nous espérer défaire les captures institutionnelles ? Moi, ma thèse est pas jusqu'au bout du bout. Et c'est pour ça que dans Vivre sans, point d'interrogation, avec comme premier item du sous-titre institution, je crois que nous ne pourrons pas vivre sans institution. Mais nous pouvons entrer dans un régime où la capture institutionnelle, de fait, s'effectuera dans un régime qui la met à une moins grande distance de notre propre reprise. Et que c'est déjà beaucoup. Et que par conséquent, la question n'est pas tant de savoir si on peut vivre sans institution versus vivre avec institution, mais de savoir avec quelle forme donner aux institutions, avec quel type d'institution vivre. Et ça, évidemment, c'est autre chose. Alors, sur la valeur absolue, alors c'est curieux parce que j'attendais la question, mais alors vous m'avez complètement crocheté parce que je la voyais venir d'un tout autre côté. Alors, la valeur absolue de l'air. Je serais tenté de vous dire, mais non, pas du tout, l'air n'est pas du tout une valeur absolue. Ce n'est pas une valeur absolue, simplement, si nous en manquons, nous mourrons. Mais ça ne produit pas du tout d'absoluité pour autant. Je vous signale d'ailleurs que pendant tout un temps de votre existence, vous avez respiré dans un liquide, n'est-ce pas ? Et que la première fois que vous avez rencontré la respiration aérienne, ça n'a pas été un bon moment. Et oui, mais alors, vous voyez, c'est toujours la même chose. Le fœtus que vous avez été... ne manquait de rien, et en particulier, il ne manquait pas d'air, si j'ose dire. Vous voyez ? Il ne manquait pas d'air parce qu'il n'en avait pas l'idée et qu'il n'en avait pas besoin. Il respirait très bien sans ça. Et puis un jour, il découvre l'air. Alors, au premier contact, c'est très désagréable. Et puis après, ça lui va plutôt pas mal. Alors, il en reveut. Voilà, c'est ça, la dynamique. Bon. Alors, quant à la valeur d'usage, alors là, pour le coup, vraiment, on tombe alors en plein dans la condition anarchique. Mais c'est toujours la même chose, la valeur d'usage. Qu'est-ce que vous voulez, la valeur d'usage ? C'est la plus branlante de toutes les valeurs. Hein. Oui, nous avons la valeur d'usage du téléphone portable. Mais je veux dire, cette valeur d'usage, on s'en est bien passé pendant très très longtemps. Le capitalisme n'arrête pas de nous jeter dans les pattes de la nouvelle valeur d'usage dont nous n'avions pas l'idée, dont nous n'avions pas besoin. Et comme il nous les jette dans les pattes, et que nous les expérimentons, et que nous les trouvons bonnes, nous les investissons de valeur d'usage précisément, et nous en revoulons. Et là, paf, de nouveau, il nous a ferré. Bon, voilà, donc c'est ça, hein, la valeur d'usage. Non, moi, j'attendais de la valeur absolue d'un autre côté, mais peut-être je vais la laisser venir, d'ailleurs. Je sais pas, on va voir. Hein. Elle va peut-être bien venir, toute seule. Ah. On a monsieur et madame, ensuite. Et monsieur. Bonjour, monsieur. Je voulais vous demander si la condition anarchique, au lieu d'être effectivement l'absence de principe, ne serait pas plutôt la présence d'un principe, au contraire, mais qui serait en permanence conjuré et repoussé, qui serait ce qu'on appellerait le droit naturel, en fait, mais dans la conception, donc celle de Spinoza ou celle de Hobbes, plutôt que le droit naturel, évidemment, des juristes plus classiques. C'est-à-dire que pour Hobbes ou pour Spinoza, le droit naturel, c'est tout ce que peut faire un être.
C'est-à-dire, je peux prendre mon couteau et aller égorger mon voisin et lui voler ses affaires, c'est mon droit naturel. Sauf que voilà, il y a l'État qui va venir s'en mêler. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je me demandais si on ne pouvait pas dire qu'effectivement la condition anarchique ne serait pas cette espèce de mouvement de conjuration permanent pour chasser la barbarie et la loi du plus fort, en fait, tout simplement. Parce que, effectivement, on se démet d'une partie de notre puissance pour les institutions. On décide de renoncer à des actes, comme effectivement aller égorger son voisin, mais parce qu'on en tire des bénéfices beaucoup plus importants, qui sont effectivement de pouvoir vivre en tranquillité et en sécurité. Alors bonsoir, je suis ici. Bonsoir, alors moi je voudrais simplement revenir au tout début de la conférence quand vous parliez de la mort et de l'existence et du fait qu'un individu continue d'exister potentiellement après sa mort. Moi ça m'a beaucoup fait penser à la condition de Marx qui a été totalement inconnu de son vivant et qui a écrit énormément d'œuvres et qui est devenu le penseur le plus important du XXe siècle tout en étant complètement inexistant dans sa condition d'homme durant son siècle. Et donc moi je me posais la question du coup de ce fait comment se hiérarchisent les intensités d'existence des individus. Eh bien, étant donné qu'il y a des individus donc, qui existent plus ou moins intensément au niveau de, disons, d'une force commune, disons que Marx est beaucoup plus présent dans nos têtes que d'autres penseurs qui ont potentiellement beaucoup plus existé à leurs époques et qui maintenant sont passés dans l'oubli, comment est-ce que ce type d'existence qui évolue après leur vie se hiérarchise et comment se fait-il qu'il y a des gens qui existent plus que d'autres alors qu'elle n'est pas forcément dépendante de l'existence durant leur vivant? Bonjour. À un moment donné, vous avez parlé de Caligula et de la folie, et j'ai pas pu m'empêcher de penser à l'œuvre de Deleuze et de Guattari, Capitalisme et schizophrénie. Est-ce qu'on pourrait comprendre d'une certaine manière la schizophrénie comme étant la rencontre de l'individu avec la condition anarchique ? Bonjour, alors du coup, je suis Mille. J'ai longtemps hésité avant de choisir ma question. C'est toujours très riche et ça fait penser à plein d'autres choses. Hein. Chacun cite ses propres références, etc. Moi, ma question, ces derniers temps, vous parlez beaucoup de sociopathes. Ça serait au niveau de... Bon, on a parlé d'égorger son voisin il n'y a pas très longtemps. Vous avez dit... le fait d'être en quelque sorte relativiste au niveau des valeurs ne m'empêche pas de ressentir par le corps qu'une situation est scandaleuse, par exemple. Mais si cette situation n'arrive pas, si par exemple on est désensibilisé à la violence d'une façon ou d'une autre, parce qu'on appartient à une classe sociale supérieure ou parce qu'on n'est pas confronté à la situation de façon suffisamment directe, on va passer devant des SDF ou on va voir les images à la télévision de loin, à l'autre bout du monde. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que comme on voudrait bien être touché et donc agir et donc avoir des valeurs, mais les valeurs n'apparaissent pas parce que on ne fait pas preuve d'empathie d'une façon ou d'une autre. Donc je voulais savoir si vous pouviez développer là-dessus. D'accord.
Bon, ça va, comme j'ai dit, que rien d'intéressant, on manquera de rien, une fois de plus. Alors, ah oui, j'ai beaucoup aimé votre... Est-ce qu'il n'y aurait pas qu'un principe qui serait le droit naturel? Oui. Alors, vous savez, mais peut-être je vais le dire pour tout le monde. Le droit naturel, chez Hobbes et Spinoza, ce n'est pas du tout la même chose que le droit naturel au XVIIIe siècle, hein, qui soutient la pensée des droits de l'homme, etc., etc. Chez Spinoza, plus encore que chez Hobbes, le droit naturel n'est pas autre chose que le conatus lui-même, c'est-à-dire la puissance du mode, la puissance individuelle. C'est en quelque sorte... vous voyez, ce n'est pas du tout un concept juridique. Droit naturel dans la pensée de Hobbes et de Spinoza, c'est un concept onto-anthropologique, n'est-ce pas ? Voilà, c'est l'équivalent de la puissance. Alors, est-ce que finalement, la condition anarchique, ça ne serait pas que l'affirmation d'un principe unique, plutôt que l'affirmation d'aucun principe, à savoir le principe unique du droit naturel ? J'ai trouvé très séduisante cette idée. Je ne suis pas sûr que je vais vous suivre jusqu'au bout pour la raison suivante. Le droit naturel, en réalité, c'est... Pourrait-on dire, je ne sais pas si c'est le principe, mais enfin, c'est la force qui anime toute chose dans le monde, hein, puisque c'est le conatus. Et je vous rappelle que le conatus, ce n'est pas le privilège du mode, de la chose humaine. Les choses, Spinoza les appelle des modes. Hein. Bon. La fameuse proposition de l'éthique qui introduit le conatus, c'est la sixième proposition de la partie 3 qui dit « chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce pour persévérer dans son être ». Ce qui signifie que... Il y a un conatus du stylo, un conatus de la table, du gravier, du vieux pneu, de ce que vous voulez, hein, de la bactérie, oui, c'est ça, toute chose vivante, toute chose non vivante, c'est du conatus, c'est-à-dire une certaine partie de la puissance infinie de Dieu. Ah oui, là, forcément, bah, c'est dimanche, donc c'est un peu la messe, mais c'est une messe particulière, c'est la messe immanente, c'est pas la messe transcendante. C'est-à-dire, le dieu de Spinoza, ce n'est pas le barbu dans les nuages, n'est-ce pas ? C'est autre chose. Le dieu de Spinoza est un dieu immanent, c'est la nature. Deus iue natura, Dieu, c'est-à-dire la nature, bon, n'est-ce pas ? Ce que Spinoza appelle Dieu, c'est cette espèce de puissance causale infinie qui crée toutes les choses et tous les phénomènes dans l'univers. Il y a quelque chose qui, si vous voulez, c'est cette force d'animation infinie qui se répand dans l'univers et qui s'exprime au travers des choses singulières. Le stylo, vous, donc au sens propre du terme, chacun d'entre nous ici est fondé à dire « Dieu c'est moi » et c'est vrai. Alors pour une petite part, n'est-ce pas ? Mais Dieu c'est aussi le stylo, donc évidemment ça calme. Bon. Alors le droit naturel, donc on peut dire en ce sens, le droit naturel c'est ça, n'est-ce pas ? C'est le conatus en tant que cette délégation finie de la puissance infinie de Dieu. Bon, oui, on pourrait dire ça si vous voulez, mais moi, la condition anarchique, vous voyez, c'est un truc qui s'applique surtout à l'univers humain. C'est là-dedans que ça fait sens, cette problématique. Tandis que si on prend au sérieux droit naturel, etc., c'est un principe qui est à l'œuvre dans la totalité de l'univers, y compris dans sa partie non humaine. Mais même en disant, allez, finalement, Spinoza, il parle de droit naturel dans ses traités politiques. Donc c'est bien un truc qui concerne les hommes, et puis pour Hobbes, c'est pareil. Mais là, je serais tenté de dire, mais le droit naturel, c'est un principe vide. C'est un principe général et vide qui, en tant que tel, ne détermine aucune action particulière. Bon. Ce qui détermine le droit naturel, alias le conatus, à s'effectuer comme désir particulier de ceci ou de cela, ce sont des choses que Spinoza appelle les affects. C'est sous le coup des affections, telles qu'elles produisent en vous des affects, que votre conatus se trouve déterminé comme désir de ceci, désir de poursuivre ceci ou désir d'éviter cela. Du reste, et j'en profite là au passage pour indiquer cette chose, que le droit naturel, c'est pas seulement le principe qui vous pousse à égorger votre voisin, c'est également le même principe qui vous pousse à l'aider. Donc, je veux dire, c'est très important, ça, n'est-ce pas, dans la controverse des natures humaines ou la controverse des anthropologies qui oppose Hobbes et Spinoza, notamment. Pour Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Pour Spinoza, l'homme est aussi un loup pour l'homme, la plupart du temps. Mais il n'est pas que ça, il peut être autre chose. Spinoza dit qu'il peut être aussi un dieu pour l'homme. Rien n'est plus utile à l'homme que l'homme. Donc, homo homini, lupus et deus. L'homme est un loup et un dieu pour l'homme. Et il faut tenir les deux ensemble. Si on ne voit qu'un seul, l'homme, dieu pour l'homme, évidemment, on tombe dans de navrantes naïvetés
pardon, je vais peut-être en offenser certains, mais kropotkinienne. Et si on ne voit que l'homme est un loup pour l'homme, alors effectivement, on s'enferme dans la pensée de Hobbes, de, je veux dire, du Léviathan qui ne peut que régner par, je veux dire, par une force extrême. Bon, voilà. Alors, sur les morts qui sont vivants ou les vivants qui sont morts. Alors, si vous voulez, Éthique 439 Scoli, nul argument ne peut me convaincre de penser qu'un corps ne meurt que s'il est changé en cadavre. C'est toujours autre chose que j'ai en tête. Je pense à... Alors là, évidemment, tu m'as fait venir sur Spinoza versus Luc Ferry. Bon, bah, le match était plié d'avance en même temps, donc c'était pas drôle. Mais moi, c'est autre chose que je pense à... Alors, je vais répondre sur Marx, etc. Mais moi, je pense à l'adolescence. L'adolescence, c'est quelque chose... Parce que... non, il faut peut-être pas que j'aille là-dedans, parce que ça va vraiment nous... Bon, il y a une possibilité de penser chez Spinoza l'adolescence comme une mort. Voilà, et c'est une mort qui ne passe pas par la transformation du corps en cadavre. Et pourquoi ? Parce que l'adolescence, c'est ce qui sépare l'être adulte que vous êtes de l'enfant que vous avez été il y a longtemps et qui diffère en tout de l'enfant que vous avez été. En tout, pas tout à fait, bien sûr, nous dit la psychanalyse, évidemment, mais qui diffère si grandement que d'ailleurs toute une partie de la mémoire d'enfance a été effacée. Ça, c'est un critère pour Spinoza. Si on a perdu une partie de sa mémoire, c'est qu'on a changé de corps. On a changé de corps. Et si on a changé de corps, en un sens un peu exigeant du terme, c'est qu'on est passé par un point de mort. Alors, il y a un truc qui est étonnant, moi, à ce sujet, c'est je me souviens d'avoir lu les chants de Maldoror, de Lautréamont, dans une vieille édition avec une série de préfaces, dont certaines étaient très intéressantes, d'autres moins, et en particulier une préface d'un gars, un Émile quelque chose, que une espèce de débris de l'Académie française. Bon, vraiment, alors... Bah, et pas du tout un débris. Le gars comprend tout, il comprend que c'est bien de ça qu'il est question dans les chants de Maldoror. Il est question d'un individu qui, traversant l'âge de l'adolescence, passe par son point de mort, traverse son point de mort, et que forcément, ça lui fait des effets sacrément carabinés, d'où résulte cette œuvre tout à fait singulière. Alors, quant à Marx, c'est un peu autre chose. Alors, d'abord, vous savez, il y a une chose qui n'est pas plaisante à rappeler dans des publics, disons, je fais une hypothèse, qui pensent plutôt du côté de la gauche, c'est que Spinoza ne nie en rien qu'il y ait des inégalités de puissance. Alors, réfléchir et se confronter aux inégalités de puissance, Spinoza le dit, l'ivrogne ne vaut pas le sage. C'est là, d'ailleurs, c'est par cette bande qu'aurait pu revenir la question de la valeur absolue. Parce que, si vous voulez, Spinoza nous aide à penser une espèce de relativisme axiologique, mais qui n'est pas sans rivage pour autant. C'est un point très important. Il y a, à la fin des fins, il y a quelque chose à quoi Spinoza raccroche tout. Et d'ailleurs, c'est bien la raison pour laquelle il écrit une éthique. C'est qu'il y a ce truc en vue qu'il appelle la sagesse, qu'il appelle la vie sous la conduite de la raison, ou encore la connaissance du troisième genre. Et ça, ça vaut absolument pour lui. Alors là, il n'y a pas la moindre hésitation à ce sujet. Bon, voilà. Alors évidemment, cette chose-là, il nous dit que nous ne pourrons jamais l'atteindre complètement. Ce qui n'exclut pas que nous puissions tendre vers. Évidemment, c'est déjà considérable comme possibilité. Alors, donc, bah oui, nous différons en puissance. Bon, alors, maintenant, si vous voulez, les effets que nous font ces puissances, ces effets-là, l'effet de la puissance marxienne... Il a dépendu d'un certain nombre de conditions extrinsèques, à savoir la redécouverte ou la relecture de Marx, enfin, un effort pour propager sa pensée à travers le temps, etc. Mais ça, c'est des choses qu'on connaît bien dans le domaine de l'art. Par exemple, il y a des artistes ou des auteurs de littérature qu'un jour quelqu'un redécouvre. Parce que sa complexion passionnelle à lui, lui a fait y être sensible. Et puis qu'il a suffisamment de puissance pour faire l'article, en quelque sorte. Donc on a, j'allais dire redécouvert, mais il faudrait dire plutôt découvert, l'art africain, ou revisité l'art médiéval, etc. Et ces puissances ont pu être redéployées, mais moyennant le concours de puissances externes, et notamment de puissances, de certaines puissances institutionnelles. Par exemple, l'art brut sans Dubuffet, ça n'existe pas.
ou sans un équivalent fonctionnel de Dubuffet. Ça n'existe pas. Et pourtant, là, il y a quelque chose. Il y a une puissance qui est déposée dans cet art-là, etc. Mais il faut le concours d'autres... Voilà. Bon, donc, c'est, je dirais quelque chose de cet ordre. Alors, sur Caligula, Deleuze, Guattari, là, bon, c'est merveilleux, hein, ce que vous me dites, parce que je pense que c'est central. Votre intuition est centrale. Alors, moi, je suis en train de me déniaiser sur toutes ces questions. Il se trouve que je travaille avec quelqu'un qui s'appelle Sandra Lucbert, qui est par ailleurs romancière, mais surtout qui a un savoir en matière psychanalytique et psychiatrique qui, moi, me manque, et on fait la jonction, si vous voulez, de nos deux compétences, et ça se met pas mal ensemble, et ça pourrait produire des trucs intéressants. Et alors, effectivement, ce que je commence à découvrir, dont j'avais un petit peu l'intuition tout de même, mais c'est que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure et que vous rappelez, c'est-à-dire la psychose décompensée a à voir avec le fait que tous les ancrages de la valeur, mais en réalité du signifiant, lâchent ou n'ont pas été inscrits. C'est vraiment, pour le coup, on parlait de Lacan dans le train. C'est ce que Lacan appelle le point de Capiton. Ça lâche. Donc, alors effectivement, donc il n'y a plus rien pour organiser les affections selon un ordre du sens. Donc, ces affections sont littéralement, c'est-à-dire tout ce qui vous arrive du dehors, sont littéralement submergentes sous l'espèce d'un chaos qui est tout simplement épouvantable. Bon, là, il y aurait à discuter, évidemment, de tout ce que Deleuze et Guattari ont fait de la figure du schizophrène, qui a été longtemps présentée, ou plus exactement reçue par les lecteurs de l'Anti-Oedipe comme une espèce de figure héroïque, si ce n'est sous l'espèce d'un modèle à émuler. Alors Deleuze en particulier s'est avisé de ça, et dans certains entretiens ultérieurs, il se reprend pour dire « oui, non, oh là, mais attention, on ne peut pas faire craquer partout tous les ancrages du signifiant, tous les ancrages du sens, parce que ça produit des gens qui sont dans des états atroces. » Bon, voilà. Donc là, effectivement, il y a une avenue de recherche qui s'ouvre, hein, et qui est tout à fait passionnante. Alors je termine dans la foulée avec le sociopathe. Alors je m'empresse de dire que moi j'ai utilisé cette catégorie, et je l'ai utilisée en sachant ce que je faisais, c'est-à-dire en sachant que c'est une catégorie complètement foireuse. Le sociopathe, c'est une catégorie qui vient directement du DSM, qui est une espèce de manuel psychiatrique venu des États-Unis, et d'une psychiatrie qui est particulièrement adéquate, si vous voulez, à l'ordre néolibéral, où tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, de la ressaisie d'une existence humaine sous l'espèce d'une psyché, est annulé pour être décomposé en troubles élémentaires. Vous voyez, un trouble élémentaire qui chacun appelle un médicament élémentaire, en vue d'une remise élémentaire sur le marché du travail. Bon, voilà, c'est vraiment ça qu'il y a là-dedans. C'est un truc, c'est parfaitement dégoûtant. Et sociopathe est une de ces catégories à la louche que le DSM nous a livrées. Et moi, je trouve assez marrant de la retourner à l'envoyeur. Vous voyez, c'est ça l'idée. Sinon, j'aurais pas recouru à ça. C'est trop pauvre comme catégorie. Mais alors, effectivement, de dire que tous les gens qui promeuvent cet ordre, dont le DSM est solidaire, peuvent être traités en retour de sociopathes, ça me fait rire. Ben, j'ai des joies simples. Voilà. Alors, ce ne sont pas des gens qui sont entièrement désensibilisés. C'est tout simplement que... En toute généralité, nous sommes tous comme ça. Notre affectabilité a des taches aveugles. Il y a des choses auxquelles nous ne sommes pas affectables, auxquelles, littéralement, comme on dit, nous ne sommes pas sensibles. Bon, voilà. Alors, eux, ils ont des taches aveugles particulières dans leur affectabilité, dans leur complexion passionnelle, dans ce que Spinoza appelle leur ingenium. C'est effectivement l'empathie à la souffrance à autrui. Bon, effectivement. Alors oui, ça c'est... Ça, visiblement, c'est un truc. Les soudures n'ont pas été faites sur ce sujet dans certaines têtes. Donc, c'est spécialement visible actuellement, en effet.
On a des dirigeants politiques et des dirigeants d'entreprise. Mais alors, c'est ça qui est formidable. Si vous voulez, c'est les grands personnages de l'ordre néolibéral sont les plus justiciables de l'application des catégories psychiatriques néolibérales. Voilà, c'est pas mal. Alors, peut-être une ou deux dernières questions ou remarques. Il est 20. Ah ouais, quand même. Non ? Eh bien, écoutez, il ne nous reste plus qu'à remercier Frédéric pour sa générosité. Et Dominique. Si tes philos continuent, demandez le programme à l'entrée. Et toi, Léon, quand même. Et toi aussi.